Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour une nouvelle partie de l'ordre de Veillel. La fureur du roi. Dans cette partie, que va-t-il se passer d'intéressant? Nos aventuriers vont affronter de nouveau l'âme du chasseur calciné, hein, après le cuisant échec de la poissante expédition. Nos braves guerriers qui sont Riri, le chevalier, Fifi, l'aventurier, sont allés recruter leur camarade Loulou, guérisseur de son état. Tiens, je me rends compte que je n'ai pas mis les petits jetons de niveau. Je vais donc activer ça de ce pas. Et donc, les journées, où sont-ils? Ils sont là. Nos petits aventuriers Fifi Loulou vont de nouveau arpenter le donjon pour aller casser les quenottes. Niveau 5, non. Alors qu'on peut aussi monter niveau 1 si on veut. Hein. On peut monter niveau 5. Hein. Il n'y a aucune règle qui l'interdit. On adapte. Mais bon. Allez, niveau 1 et niveau 1 pour Loulou. Alors, Loulou, c'est un guérisseur. Un guérisseur, il peut ben, soigner hein, et rendre à la vie ses petits copains. Le guérisseur commence avec le talisman du débutant, qui donne une cible, gagne une cible alliée, permet d'obtenir ceci. Plus 1 en attaque, plus 2 en attaque, plus 2 en défense pendant 2 tours. Il commence également avec une pierre de résurrection. Hein. Et pour couronner le tout, hein, parce que comme ils n'étaient pas contents, Riri et Fifi, au départ, ils sont allés péter la gueule à notre ami l'alchimiste là-bas pour lui choper un petit couteau empoisonné et une petite bombe alchimique au départ. Hein? Voilà, comme ça, on est sûr que il y a du dégât qui va être fait au début du jeu. Ben voilà, je ne vais pas représenter le jeu, représenter les règles comme je l'ai fait la fois précédente. On va se concentrer sur le jeu. Donc voilà. Et donc ben, le donjon a été préparé. Les trois premières salles. Et puis j'ai mis les autres salles en attente. Là on a les cartes événements. Là le monde, le boss, les monstres puissants et les monstres classiques. Et c'est parti pour le show. Alors, je ne sais pas comment mettre le setup de la caméra, là, comme ceci peut-être. Pour voilà. Alors, j'ai pas mis de sport. Ouais. Les joueurs vont passer par l'aile centrale. C'est parti. Ils rencontrent des monstres, normal. Au début, combien de monstres ont-ils rencontré? Un monstre. Ça commence pas bien. Enfin, pas bien. Si, mais bon, j'en préfère qu'ils en rencontrent plus pour gagner plus d'expérience, moi. Et le monstre qu'ils vont rencontrer va être toi. Ah, l'âme errante. L'âme errante, 4 points de vie, 1 point d'armure. Donc, par défaut, elle attaque à 5. 5 et 8, 13 d'attaque. En défense, 10. Allez, c'est parti. Déjà, le guérisseur va utiliser son talisman de débutant. Donc, c'est un jet de foi. Donc, foi, j'ai 8 en foi. 10 et 8, 18. Il faut que je fasse 15 ou plus. C'est bon. Donc je vais donner ceci à Riri. Riri qui pendant 2 tours, donc je vais mettre un petit dé pour indiquer ça. Voilà, tac. Pendant 2 tours, va avoir plus en attaque, plus en défense. Du coup. Hop là. Je règle un peu la caméra, voilà, je cherche différents setups de caméra. Peut-être comme ça. Peut-être comme ça. Je vais voir si je mets un petit trépied fourni par des amis de Paria. Je monte un poil la caméra. Touk, 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 touk. Alors, on va mettre superbe chose en rotin derrière. Pas mal ça. Allez, le guerrier. Le guerrier. Il attaque et on a fait un 10. Son arme
utilise la dextérité et le guerrier commence avec 6 en dextérité. Donc ça fait 16. Notre ami défend à 5 plus 5, 10. Donc l'attaque passe. 3 points de dégâts. Donc l'amérante subit 2 points de dégâts, ce qui l'amène à 2 points de vie. Alors, plus j'avais plus haut aussi en attaque ici. Donc je pense à utiliser hop, un petit bonus. Voilà. C'est au tour de Fifi, l'aventurier, d'attaquer. Fifi, oh punaise, ça commence. Fifi fait 1, échec critique. Bon, hein, donc pas de carte événement au début, donc ça me va très très bien. Du coup, fin du tour, l'amérante va attaquer le défenseur. L'amérante va donc attaquer à hauteur de 5 plus 8, 13. Va donc attaquer le chevalier. Je fais 11. 11 et 6. 16, pardon. 16 et 2, 18. C'est bon. Pas besoin. Ça passe. Je me défends sans souci. Allez, c'est reparti. Donc, du coup, on va refaire attaquer le guerrier. 16, cette fois-ci. 16 attaques, plus 6 de dextérité, 22, plus 2 pour le bonus qui disparaît, plus 2 pour le bonus qui est là, qui disparaît, 24. Toi, tu défends à hauteur de 5 et 5, 10. Tu meurs donc. Hop. Toi, tu disparais. Donc, tu nous offres quoi? Tu nous offres 2 cristaux déjà et un dé. Allez. Hein, le dé est impair. Et donc, nous ne gagnons pas d'équipement. Youhou! Allez, nous allons continuer notre descente infernale dans le donjon. Ici. Et c'est un coffre. Coup de chance, nous avons l'aventurier qui est là. L'aventurier nous permet d'ouvrir le coffre sans gaspiller de cristaux. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce coffre? Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Donc, je prends deux. Des équipements ici. Une hache légère. 5 de force, 4 de dextérité, basée sur la force. Donc je vais peut-être mettre hache au chevalier. Oui, je pense. Hop, je lui mets tout de suite. Parce que de toute façon, je sais que le chevalier, j'ai augmenté sa force. Donc ça, appuie sur le fond. Et basée sur la foi, le sceau du corps. 8 de foi, 4 d'intelligence, pardon. Notre ami. Le guérisseur a bien 8 de fois, 5 d'intelligence. Donc il peut donc porter cette carte. Donc je lui mets ici, à côté de son talisman du débutant, un sceau du corps. Ce qui veut dire que maintenant, il va pouvoir à la fois attaquer et. Enfin, à la fois. Il peut soit attaquer, soit utiliser son pouvoir. Jusqu'à présent, il ne pouvait qu'utiliser son talisman. Ben, nous sommes arrivés en bas du donjon. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on retourne dans la zone de repos. On prend nos cartes. Et nous allons remélanger ces deux cartes avec, disons, celle-là et celle-là, pour obtenir un nouveau donjon. Allez, hop, 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 et le donjon s'allonge. Le donjon s'allonge. Donc, toi là, et toi là, par exemple. Ou toi là, et toi là. Voilà. Alors, c'est parti. Ah oui, mais non, c'est pas parti. Le forgeron, il a fabriqué des choses pendant qu'on n'était pas là, le forgeron. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fabriqué, notre ami forgeron? C'est parti. Une cloche du moine. 8 de foi, 3 dextérité. Alors, c'est une arme à une main. Mais à distance. 8 de foi, 3 de dextérité, je vais. Ah, mais non, le saut du corps aussi. Je pensais que c'était aussi une arme au corps à corps. Non. Donc, du coup, bah, celle-là, je vais pas la prendre. Je vais la mettre directement à la défausse. Une carte. Deuxième carte, une lance. 7 de dextérité, 6 de force. Ça peut être intéressant à acheter. Je vais voir. Une armure en cuir. C'est aussi intéressant à acheter. Deux.
La mets en faire clouté, très bien. 3 et 4, ce qui fait 5 avec cette carte-là. Alors, j'ai deux armures en cuir, une armure carcotée et une lance. Sachant que je n'ai que deux cristaux, hein, suite à mon combat contre l'amérante qu'il y a eu juste avant. Alors, deux cristaux, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter? Trois cristaux, parce que j'ai une épée que je peux vendre ici. Je vais vendre tout de suite. Ce qui fait trois cristaux. Pour trois cristaux. Tiens, la lance, c'est bien, mais je ne peux pas encore la porter, la lance. Donc, pour trois cristaux, je vais acheter. Allez, je vais acheter les deux armures. En cuir clouté et en cuir. Que je vais mettre en cuir clouté, que je vais mettre à l'aventurier. Donc, c'est qu'il lui offre 2 en défense et 1 de réduction de dégâts. Et l'armure en cuir clouté, 5 de force, 5 de. Voilà, je peux la porter, ça c'est bon. Au chevalier, donc 2 et 2. C'est pas. Ah non, c'est pareil, c'est 1. C'est 1 de réduction de dégâts. Alors, mes petits jetons. Donc, on a 2 de réduction de dégâts, 2 d'armure. Et 2 de réduction de dégâts. Voilà. Et là, toi, tu as 2 en défense. Ici, voilà. Et tu n'as qu'un en réduction de dégâts. Alors, un petit jeton 1. Où sont les 1? Ils sont là, cachés sur mon bazar. Hop là. Et c'est parti. Nous retournons dans le donjon. Là, les trucs des cristaux, là, je les prends, je les mets. Là-bas, je n'ai plus du tout d'argent. Voilà. Allez. C'est parti. Allez, on fait l'aile. Donc ça a bougé. J'ai même plus ce que j'ai fait bouger, vous voyez. Donc allez, les joueurs retournent ici. L'aile centrale. Hein. Salle vide. Les joueurs gagnent 2 cristaux. Ici, on descend là. Les monstres. Donc je vais lancer un dé de 6 et voir combien on affronte de monstres. 5. Donc nous affrontons 3 monstres. Parce qu'on plafonne au nombre de joueurs que nous avons dans l'équipe. Voilà. Donc trois monstres, on va affronter celui-là, celui-là et celui-là. Donc dans l'ordre, nous allons avoir un lancier squelette. 6 points de vie, 1 d'armure. Nous allons avoir le petit socle. Force de frappe, le chien corrompu. 3 points de vie, 0 d'armure. Et tout au fond derrière, là, qui tire un grand coup de fléchette. Nous allons avoir. Donc attendez. Hop, voilà. Hop, allez, le chien corrompu, il se casse la figure. Le chien corrompu qui est ici. Et l'archer squelette qui est derrière tout le monde. 5 points de vie, 1 d'armure. Donc, on va commencer par jouer notre ami le guérisseur en utilisant sa bombe alchimique. Il inflige 3 points de dégâts à tous les ennemis. Ça va à la défausse là-bas. Ah oui, une variante que j'utilise dans les règles, c'est qu'un objet utilisé par l'alchimiste, quand il est défaussé, il est perdu pour de bon. On peut plus le racheter. Normalement, dans les règles, un objet qui est acheté, à chaque fois qu'on retourne dans la zone de repos, on remélange la défausse de l'alchimiste avec. Enfin, on remélange tout ce qui est dans la défausse, on remet en stock chez l'alchimiste. Moi, j'utilise un nombre de règles qui fait qu'une fois que c'est utilisé. C'est comme ça. Oui, je vais me rajouter de la difficulté. Alors, nous avons fait 3 points de dégâts. Ces 3 points de dégâts sont des points de dégâts à distance et surtout qui ignorent les armures. Donc 3 points de dégâts. Donc, toi, le lancer squelette, tu as 6, tu finis à 3 points de vie. Le chien, tu meurs parce que tu as 3 points de vie. Ensuite, l'archer squelette, tu as 5 points de vie, donc tu tombes à 2 points de vie. Voilà, on voit pas les points de vie du lancier. Voilà. Ok, donc le guérisseur a joué. Vient maintenant le tour
De l'aventurier qui va attaquer grâce à son arc, il passe par-dessus le lancier pour attaquer l'archer squelette. Donc j'ai fait 17. On ne voit pas forcément avec l'angle de la caméra. Voilà. Donc, ah oui, donc du coup je suis à 5, 7. Lui défend à 7 et de 9. Ah, j'ai oublié de tirer une carte événement, tiens. J'ai une carte événement en jeu pour toute cette aile. À partir de maintenant, voilà, si je fais 1 ou moins, 5 ou moins sur un jet attaque, je utiliserai cette carte événement que j'ai mise ici. Donc j'ai fait 17, j'ai dit. 17, 17, 17 et ma dextérité, 17 et 25. Toi tu défends à donc 5, 7. 7 plus 9, ça passe largement. J'affiche 4 points de dégâts. Il reste 1 d'armure, donc j'affiche 3 points de dégâts grâce à l'arc. Donc, l'arc est là. L'arc qui est là, donc ça fait 4 moins 1, 3. L'archer squelette tombe. Et il ne me reste plus que le lancier. Allez, le chevalier va taper sur le lancier squelette. C'est parti. Il fait 15. 15 plus ma force, parce que ma hache utilise la force. Ça m'a fait 21. 21 contre en défense 6, 6 et 7, ça fait toujours 13. Ça passe. Donc j'inflige 3 points de dégâts à l'archer, sachant qu'il a un petit bouclier. Donc ça fait que 2 points de dégâts. Il reste 3 points de vie, donc il reste un petit point de dégâts. Aïe aïe aïe. Donc c'est parti. Donc lui il va attaquer. Il va infliger 5 points de dégâts en attaquant le défenseur. Donc, le défenseur, c'est le chevalier. Voyons voir le chevalier. Il va lancer un dé et on va voir ce qui va se passer. 20. Bon, oui, avec l'angle de la caméra, on dirait que c'est 8, mais en fait, non. En fait, c'est 20. Donc, défense critique. Donc, ben, l'arche-squelette ne me fait rien du tout. Dans tous les cas, voilà. C'est reparti. Eh bien, écoutez, ben, le chevalier va continuer à taper. 2. Voilà. Ça faisait longtemps. Ça m'étonnait aussi que ça qu'il se passait. Putain! Quel espace d'affreux. Alors, 2 et 6, ça fait 8. Il défend 13. Donc, à 6 plus 7, 13, ça marche pas. Donc, 2, par contre, je vais révéler la carte événement qui est ici. Brisure. Je casse l'armure ou le bouclier d'un joueur. Donc, je vais choisir de casser. Ah, ben non. L'armure ou le bouclier d'un joueur. Donc, vu que c'est le maître de donjon qui choisit ce qui casse, hein, moi, je vais dire, donc, le seul. Bah c'est le défenseur. Hein. Donc on va choisir le défenseur. Et donc pour faire du paix, remarquez, hein, parce que c'est d'un joueur. Donc c'est pas forcément du joueur qui a attaqué. Donc, toi tu n'as pas d'armure, toi tu as une armure, toi tu as une armure à bouclier. Donc déjà on va lancer un dé de 6 pour savoir qui est affecté par la brisure. Pair, le chevalier. Impair, l'aventurier. Impair, l'aventurier. Donc là il n'y a pas à rigoler. Hein. Son armure en cuir est cassée. Donc voilà, je la retourne et je retire les petits marqueurs de bonus ici. Voilà. Et ça, je défausse cette carte événement tout là-bas, là-bas. Bien, merci monsieur Chevalier. Allez, maintenant c'est au tour de l'aventurier, hein, qui n'a plus d'armure, qui va taper. Je fais un superbe 6. 9, non, 6, c'est ça, un superbe 6. J'attaque avec de la dextérité. J'ai 8 en dextérité avec le. Voilà. Donc 8 et 6, 14. Et toi, tu défends à 7 plus 6. Tu défends à 13. Le lancer squelette est vaincu. 3 ennemis. Donc ce qui nous fait 6 cristaux. Bon, je pourrais réparer du coup mon armure au prochain tour. Mais bon, il me reste encore une salle à faire là. C'est un peu tendu, 6 cristaux, et du coup 6 ennemis, non 3 ennemis, donc je lance 3 dés. Et on va voir un petit peu. Parfait, super tout ça, 5, 5, 2. Donc je tire 2 cartes. Un éventail arcanique. Et catalyseur du mage. Ouais, alors, désolé, je pourrais vendre parce que de toute façon, ils ne peuvent pas me servir. Enfin, l'éventail, sûrement pas, s'il faut foi et dextérité à fond. Et catalyseur du mage, c'est intelligence à fond. Mon guérisseur, il peut se baser sur la foi. Allez, je mets ça dans mon sac sans fond ici. On fait un peu de ménage sur la piste de jeu. Et on va descendre encore un petit cran, voir ce qui se passe ici. Monstre puissant. Aïe, 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 aïe.
Aïe. Allez, on affronte qui? Bon, l'avantage c'est qu'il me reste encore mon couteau empoisonné qui n'a pas été utilisé. J'ai ma pierre de résurrection qui n'a pas été utilisée. Hein, il y a moyen de, voilà, de faire quelque chose, hein. Allez, on va tirer au pif et on va dire que ça va être toi l'ennemi. Toi! Ah bah tiens, je la connais celle-là. L'araignée géante. Youhou! Alors l'araignée géante. Faites-moi, est-ce qu'on voit bien si je mets comme ça? Donc elle frappe deux fois, elle inflige poison 2. Elle inflige 4 points de dégâts. Elle a 22 points de vie. Sauf que comme on joue à 3 joueurs, elle a 22 points de vie. À 3 joueurs, je retire 5 points de vie. Des monstres puissants. Donc elle a 17 points de vie. Alors, est-ce que j'ai des dés pour afficher, pour marquer 17 points de vie, moi ici, là? Oui, j'ai un petit dé, tiens, mais j'ai des dés de couleur, ça fait l'affaire. 17. Voilà. C'est parti. Alors, le chevalier. Pour commencer, le chevalier, il va utiliser le couteau empoisonné. Hein, directement dessus. Il ne va pas s'emmerder. Ça lui affiche 4 points de vie pendant 3 tours. Donc, 3. Affiche 4 points de dégâts chaque tour pendant 3 tours à un ennemi. Le temps est cumulable. C'est que je pense que ça veut dire qu'on peut utiliser un autre couteau. Donc je mets ça là à côté d'elle avec un petit 3. Donc elle commence à perdre 4 points de vie. Et elle perd un petit marqueur. Donc ça fait 4. Voilà. 17 moins 4, ça fait 13. Voilà. L'aventurier va l'attaquer. Il fait un 20. Youhou! Ça va un peu mieux là déjà. 20, donc c'est un état critique. Donc du coup, il ne peut pas défendre critique parce qu'en défense, elle a 7 et 6, 13. De toute façon, elle ne peut pas défendre sur l'état critique. Donc moi, ce qui fait que c'est que je double mes points d'attaque. Donc ça, mon arc qui fait 4, de base, fait 8. Elle a 2 d'armure, je lui inflige 6 points de dégâts. Elle tombe donc à 7 points de vie. Et enfin, c'est au tour du magicien. Alors le magicien, qu'est-ce qu'il va faire le magicien? Le magicien, il va attaquer, hein, il va attaquer avec son sceau du corps. Et puis, on va voir ce qui va se passer. 14. 14, 14, plus la foi. La foi est à 8, ce qui nous fait du 22. 22, tour en défense, je défends toujours donc à 6, plus 7, 13, ça passe. Donc je lui inflige 4 points de dégâts, retranché de 2, à 2 points de dégâts. Donc tu arrives à 5 points de vie. 5 points de vie. Voilà. Le poison ne te tuera pas au prochain tour, mais c'est peut-être au tour d'après. Alors, c'est au tour de l'araignée d'attaquer. L'araignée, elle inflige 4 points de dégâts, 4 points de dégâts, et elle inflige poison 2. Elle frappe deux fois. Donc, elle va frapper une fois le chevalier, qui est le défenseur là-bas. Elle fait 12. Enfin, je fais 12 en défense. Donc, elle attaque à 8, plus 7, 15. Et moi, je défends à 12. Et j'ai en défense 7, 19. Ça passe. Première attaque est défendue. Deuxième attaque. 15 de nouveau. Donc c'est bon, si je défends encore à 22, elle ne me fait rien. Ben c'est de nouveau au tour des joueurs. Donc elle perd 4 points de vie, donc si elle tombe à 1. Et du coup, ils vont tous se ruer dessus comme des morts de faim pour la finir. Voilà, je fais un coup d'épée, de bottes dans la tronche, de flèches dans les fesses, etc. Le chevalier, c'est parti. Le chevalier, il a fait 17. Hein, 17 plus sa force qui est à 6, ça fait 23. Elle les défend à 6 plus 7, ça fait 13. L'araignée géante meurt en atroce souffrance. Oh, je vais traîner l'araignée géante. Ok, donc un monstre puissant. Hein, ça devient rigolo. Le monstre puissant, que permet-il? Le monstre puissant, quand il est mort, il offre 6 rubis et 4 dés. Donc déjà, on va gagner. Je vais poser là. 6 cristaux. 4, 5, 6. Ça passe mieux que la partie d'avant. Hein. Déjà, on a tout ça en cristaux à utiliser. Donc, cette réserve-là. Et j'ai dit 4 dés de 6 pour voir si on tire des objets ou pas. Alors, toi, non, toi, non, toi, oui. Donc, je peux piocher 4 objets. J'ai pioché les objets toujours dans la pioche ici pour voir. Pour, je te fais mes 1, une masse. 2,
Un bouclier, très bien. 3, encore un catalyseur du mage. Et 4, une armure en cuir clouté. Alors, c'est la fin du run. Tout le monde remonte là-haut. Tac. Ma carte de couteau empoisonné disparaît là-bas. Je fais un peu de ménage ici. Je prends tout ce petit monde et je régénère un donjon. Allez, c'est parti. Toi, toi, toi. Le donjon s'allonge de 1. 1, 2, 3, voilà. Et du coup, je vais avoir deux cartes événements pour tout ce round, cette descente. Je vais les mettre là, voilà, faut que j'y pense, je les mets. Du coup, nous sommes là. Donc, nous avons déjà tout ça comme équipement. Donc, on va voir ce qu'on peut porter. Donc, la mage, on ne devrait pas la porter. Le catalyseur non plus. Ça, c'est quoi qui est cassé déjà? C'est une armure en cuir. C'est pété. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter. Ah non, force 4. Non. Je vais monter le niveau de l'aventurier de 1 pour arriver au niveau 2. Voilà, pour lui faire porter l'armure en cuir clouté. Donc celle-là, elle va dans le puits, dans le truc sans fond. Et celle-là arrive ici. Ce qui me fait 2 ici. Et 2. Ici. De même, le chevalier va perdre son bouclier rond. Je mets dans le puits sans fond. Et il va pouvoir porter le bouclier forgé. Bouclier forgé, lui, il ne fait plus qu'un. Il ne fait pas un de résistance au dégât, il rajoute 2. Voilà. Donc ah oui, j'ai pas utilisé mon. J'ai pas. Ah, si, j'ai pas utilisé de cristal pour passer niveau 2. Mon aventurier, c'est ce que je fais. Hop, un cristal dans la réserve à pistolet. Du coup, ça, tout ça, c'est mon puits sans fond, mon sac sans fond. Donc j'ai de l'équipement que je vais pouvoir vendre. Et je vais pouvoir commencer à regarder un peu ce que me propose le forgeron. Mais je vais taper cette fois-ci dans les objets un peu plus avancés ici. Une rune endurance, un éventail, une masse, talisman de la lune, et une rune majeure de dextérité. Alors. Des trucs à faire. 11 de fois, 3 de dextérité pour la masse du miel. C'est pas mal, ça mangeait pas 11 de fois pour mon. Pour mon. Ah, mais on le voyait pas, mince. Attendez. Voilà ce que j'ai tiré. Voilà. Ça, l'éventail océan, je suis sûr que je ne pourrais pas le porter. Ça, je peux le garder. Le talisman de la lune, c'est la version améliorée du talisman du débutant. Pas tout à fait quand même, c'est que la défense qui est boostée, donc je sais pas trop. Ça, moi, je sais pas trop. Non, ce qui est sûr, c'est que ces trois-là, ça coûte 3, 3, 6, 3, 9. Je vais pouvoir les acheter. Je vais les acheter, je vais les acheter. Donc déjà, je vais vendre mes 6 objets de mon sac sans fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Plus 3 cristaux d'ici. Ce qui fait 9, ce qui permet d'acheter tout ça. Je vais mettre la rune d'endurance sur le guérisseur. Il gagne donc plus 2 en endurance. Plus 2 en endurance. Ici, le guérisseur. Donc plus d'endurance pour la rune. Voilà. Donc il arrive à 8 d'endurance. Je vais essayer de lui faire porter la masse du miel. 11 de force, 11 de fois, 3 dextérité. 11 de fois, je suis à 8, 9, 10, 11. Donc je passe niveau 2. Ça me coûte un cristal. Je le prends, je les fausse. Donc là, niveau 2, je suis comme ça. Je passe niveau 3. Ça me coûte 2 cristaux. J'arrive à 10. De 10 de fois et je peux soigner à hauteur de la moitié de ma foi. Donc je soigne déjà à 5 points de vie, ce qui est énorme.
Et je vais le refaire passer niveau 4. Donc ce qui me coûte 4. 4 cristaux. Pour le faire passer niveau 4. J'ai dit, c'est ça. Et du coup, le faire arriver, pardon, à 11 de foi. Et donc, mon magicien, Loulou, hein, qui était là pour soigner, se retrouve à être la personne qui va taper le plus fort pour l'instant. Donc, je vais dégager le talisman du débutant et lui mettre la masse du miel. Voilà. Ensuite, il me reste une rune majeure de dextérité que je vais donner à Loulou, l'aventurier. Loulou, donc il gagne 2 dextérité. 2 de dextérité pour Loulou. Il arrive à 10 de dextérité grâce à sa rune. Ah, maintenant, je l'ai fait monter d'un niveau, lui. Qu'est-ce que. J'ai pas mis le petit marqueur de force ici, tiens. Petit marqueur de force. Oui, ça, il est monté de un niveau pour pouvoir porter l'armure autour d'avant à ce tour-ci. Donc, il faut que je lui mette son petit marqueur. Et je pense, faut que je pense au prochain niveau à mettre un point de vie au guérisseur. Parce que 4 points de vie, il se prend une flèche, c'est fini. Hein. Un de force, c'est ça. Voilà. Ok. Talisman de la lune, je dis que je ne le prenais pas. Voilà. Et il me reste 3 cristaux. Alors, pour 3 cristaux, je vais. Pour 2 cristaux, je vais augmenter mon aventurier niveau 3. Voilà. Et pour 1, je vais augmenter mon chevalier au niveau 2. Alors, il faut que je pense à augmenter leurs caractéristiques. Donc, le chevalier, déjà, il va prendre plus 1 en force. Remarque qu'il est là pour. Ouais, c'est plus 1 en force. Parce que je crois que c'est 9 de force, hein, les grosses armures. Voilà, et lui, il va prendre un petit point, il fait déjà 10 de dégâts, 10, il va prendre un petit point en vitalité, lui. Ou en endurance, attends, en endurance peut-être, oui. En endurance, ça peut être intéressant en endurance, parce que maintenant qu'il peut faire ça, ouais, non. Allez, en vitalité. Hop, on n'a jamais assez de points de vie, hein. Ok, donc on a plus de pièces 7, on a. Toujours la pierre de résurrection du guérisseur qui est là. Le guérisseur qui va taper comme un bœuf avec ses 7 points de dégâts. Et puis voilà. Allez, on est parti pour une nouvelle descente dans le donjon. Oula, oula, oula. Je fous mes cartes par terre. Alors, faites voir. Voilà. Donc là, du coup, on va jusque-là. Part de là-bas, on va jusque-là. Allez, c'est parti. Ah, il est toujours plein centre. Hein. Les lianes corrompues. 2 jours pas d'endurance et cumule leur jet de force à 35. Il faut faire un jet de force cumulé supérieur à 35. Alors, qui va payer l'endurance? Ben, la force, de toute façon, c'est sûr, hein, c'est le chevalier et l'aventurier. Hein. Donc 2 points d'endurance pour un, 2 points d'endurance pour l'autre. Donc j'ai déjà 7 et 5. 11. Il faut que je lance 2 dés de 20. Pour arriver à 35. Bon. Si c'est 13, 13, 7, 20, 20 et 5, 25. Ok, il manque 10. Allez, je ne peux pas passer par là. Donc, je vais changer d'aile. Donc, pour changer d'aile, qu'est-ce que je fais? Je vais ici. En faisant ici, je tire une nouvelle carte événement. De la pioche des cartes événement qui est ici. Et je la mets sur le paquet des événements. Pas sympa qui peuvent arriver. Donc on a dit qu'on arrivait là. On est descendu, on regagne un petit point d'endurance pour tout le monde. Hein. Hop, ça ne mange pas de pain. Hop, et on retourne cette carte-ci. Une salle vide. Les joueurs gagnent 2 cristaux. Oh, je sens le run bien dégueulasse là. Oh, je sens le run bien dégueulasse. Ici, qu'avons-nous? Une salle piégée. Allez, tout le monde fait un jet de dextérité supérieur à 16. Alors, le guerrier, le chevalier. Chevalier, il fait 20. C'est bon. L'aventurier. L'aventurier, il fait. Il a, ouais, c'est bon. Il a 10, c'est 8, ça fait 18. Allez, le guérisseur, par contre, lui, il va falloir qu'il se sorte un peu dans le cul. Guérisseur, vas-y, mon ami. 18. Ouais, dis donc, c'est bon, ça, regardez. Tiens.
18, plus ses 3 de dextérité, ce qui fait 21, faut supérieur à 16, personne n'a été blessé. Et du coup, on gagne 4 cristaux. C'est parti. Ensuite, dernier run. On arrive là, attention, c'est parti. Qu'est-ce que nous voyons? Oh putain! Bit, 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 bit! Nous se trouvons le royaume des morts. Ça veut dire que nous allons affronter l'âme du chasseur calciné. Donc voilà, pour ce run-là, il va avoir 10 points de vie, donc 30 points de vie. 30 points de vie pour lui. Eh ben c'est parti, hein. Nous avons une pierre de résurrection, donc ben, nous pouvons faire quelque chose quand même, hein. Bon, ben c'est parti. C'est parti, sachant que le guerrier a quand même son niveau 1, ah non, il n'y a pas niveau 3, lui, merde! Ah oui, c'est quoi, non con? Le guerrier ne peut pas utiliser sa capacité de défense, le chevalier avec son bouclier. Lui, il peut, mais là on s'en fout, hein, c'est pour relancer les dés foirés. Hein, donc, voilà. Et lui, il peut soigner. Allez, bah, c'est parti. Et bah, ce qu'on va faire, c'est que le honneur au guérisseur, qui va bourriner l'âme chasseur calciné. Donc il a 30 points de vie. Alors, 30 points de vie, je vais prendre des petits marqueurs. Vous avez des petits marqueurs qui sont tout au fond là-bas. Ou comment dire? 30 points de vie, 3 et 0. Mon dé est là. Allez, c'est parti pour l'âme chasseur calciné. Premier jet de dé pour le guérisseur, 20. Non, mais putain, j'ai une chatte là, par contre, là, sur ce coup-là. Ouh, alors, 20. Donc, alors, lui, attendez, je suis à donc, 5, 7, 9, je suis à 9. 9 sur les jets de dé automatique. Donc, je dé 20. Donc, quoi qu'il arrive, à 20, ça double. Logique, le guérisseur est une espèce de grosse brute, en fait. Ça double ces dégâts-là. Donc, ça fait 7 et 7, 14. 14 moins 2 de réduction de dégâts, ce qui nous fait à 12. Donc de 30, il prend 12 points de dégâts, il arrive à 18. D'un coup, bam, grosse mandale du guérisseur, 18. Ça, c'est ce qu'on appelle une putain de mandale. Allez, le chevalier, 8. Ouais, chevalier, forcément, lui, il tape un peu comme il peut. Hein. Après ça, c'est dur de faire mieux. 8, et donc il tape avec la force, qu'il a 7 de force, 8 et 7, 15. Toi tu défends à 8, et tu as combien? Tu défends à 8, et tu as, on est à, donc à 5, 7, 9, 17, ça ne passe pas. Et enfin, mince, l'aventurier, Loulou l'aventurier, allez, lance le dé, et 20, punaise, mais c'est le chat. C'est quand même dingue ça. Alors, autant la partie d'avant, je faisais que des. Que des 1, là j'enchaîne. J'ai un peu peur pour la fin de la partie, je ne vous cache pas, hein, parce que si je claque toute ma chance maintenant, la fin de la partie va être excessivement compliquée. 20, alors. Bon, après, bon, 20, c'est juste un pauvre arc, hein, qu'il a. Hein. Donc il affiche 4 points de dégâts. Hein. 4 et 4, ça fait 8. Auquel je retire les 2 de résistance. Il prend donc 6 points de vie. Il tombe à 12. Ok, c'est donc à lui de jouer. Donc, ah, je prends mon petit dé contour. Là. Voilà. Je mets ça sur lui. Ah, et puis il met 2 dés de génération des âmes errantes. Mais est-ce qu'il va l'utiliser? Je ne sais pas, parce que bon. On verra. Donc, ben, il attaque. Donc, il attaque le défenseur, qui est le chevalier. Alors, le chevalier fait 6 en défense. Non, pas 14. Hein. 6. Donc, toi, t'attaques. Toi, t'attaques un bourrin, quand même. À 9. J'ai du mal à 9, 5, 7, 9, 9, 18. Donc moi je défends à 6 et j'ai 6 et 7, 13 en défense. Donc je prends une claque dans la tronche à hauteur de 8 points de dégâts. Sachant que le guerrier défend, réduit les dégâts de 4. De 4, donc je prends que 4 points de dégâts dans la vie. Dans la vue. Je tombe à 2. Ouais. Ensuite, voyons voir s'il génère des âmes. Alors, père, il génère une. Enfin, pour chaque dé père, il va générer une âme. Il génère. Celle-là, non, il génère une âme. Une âme errante. L'âme errante, elle est où? L'âme errante, elle est où? Tac. Une âme errante qui se met devant lui pour le protéger. L'âme errante, donc, ça c'est fait. Par contre, du coup, il paye des points de vie. Il paye. 6 moins le nombre de joueurs, il perd 3 points de vie. Donc il tombe à 9. Et c'est la fin du tour de l'âme errante.
Donc il a 9 points de vie. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire attaquer. Ah, attendez, la Amérande qui est devant, mais. Ouais, je dis encore un coup critique du guérisseur et ça passe, hein. C'est bon, on a la Mérande qui est devant, qui nous embête. Que faire, que faire, que faire? Je pense que le guérisseur va aller soigner le chevalier qui est là-bas. Donc pour soigner, ça sort de sa capacité de soin. Il faut que je fasse un jet de foi, je suis pas obligé à la 15. Je fais 2. Pouce en l'air. Alors, génial. Donc je fais 2. 1, 2, plus 8, 10, plus 3, 12. Voilà. Donc le chevalier n'est pas soigné. Youhou! Alors voilà, donc je ne tire pas de carte événement parce que je crois que c'est lorsque c'est un jet d'attaque. Là, c'est un jet de capacité, je crois qu'on ne tire pas de carte événement. J'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute. Je crois que c'est quand on fait une attaque qu'on tire une carte événement et pas. Bah, attendez, la règle est juste là-bas. Je vais tranquillement aller la regarder. Hein, parce que je quitte être dans la merde. Hein. Autant s'en rajouter un petit peu. En combattant, le premier joueur qui effectue un jet inférieur égal à 5 en attaquant. En attaquant, retourne une carte événement. Mais moi, j'ai pas attaqué, j'ai soigné. Donc, je n'ai pas attaqué. Donc, qu'est-ce que mon talisman, c'est du début d'un signe. Tiens, j'ai une petite carte à prendre aussi. Donc, du coup, c'est le guérisseur. Bravo. Alors, en fait, le guérisseur, il n'est pas là pour soigner, il est là pour taper. Hein? Oh. Allez, l'archer va taper l'âme chasseur calciné avec son arc. 8. Putain, mais je vous ai dit, j'ai tout craqué au départ. Donc, j'attaque à 18. 10 de dextérité plus 8, ça fait 18. Toi, tu défends à 8. Et donc 5, 7, 9. 17, ça passe. Mon attaque passe, donc je lui inflige 4 points de dégâts, moins 2 de réduction. Il tombe à 7 points de vie. Et enfin, le chevalier va attaquer ben, l'amérante. 13. Donc, moi j'attaque à 13 plus ma force, ça fait 19. Elle défend à 5 plus 9, 14, ça passe. Donc je vais infliger à cette amérante le nombre incroyable de dégâts de 2. Parce que ma hache fait 3, moins en armure, ça fait 2. Tac! C'est donc à l'ennemi de jouer. Nous arrivons au tour 2. Donc il utilisera sa lance enflammée au prochain tour. L'amérante attaque le chevalier qui est là-bas, hein, qui n'a plus de points de vie. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de changer le défenseur hein, pour ce tour-là? 6 points de dégâts. Ouais, rien que pour ce tour-là, je vais changer le défenseur. Je vais le défenseur sur l'aventurier. Rien que pour le combat de l'amérante, là. Putain de pige, pop, pat, pater. 8. 8 et 7, 15. Lui défend à 5. 5 et 5, 10, ça passe pas. Donc l'amérante m'affiche 6 points de dégâts. Déduite de 2. Ce qui nous fait 4 points de dégâts. Donc de 7, j'arrive à 3. Ok. C'est au tour de l'âme. Bon, je vais ramener ça ici. Hein. Parce que, de toute façon, il me tue l'un ou l'autre. Donc, allez, l'âme du chasseur va attaquer le chevalier. Le chevalier défend à hauteur de pute. Oh, si vous savez à quel point je peux être là. Mais là, 3 en défense. Donc 3 et 8, ça fait 5 et 7, 7, 7 et 3, ça fait 10. Lui, l'attaque a déjà 9. Donc voilà. Donc il m'inflige 8 points de dégâts. Hein, que je réduis de 4, ça fait 4 points de dégâts. Lui, il meurt. Pouk. Bien, 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 bien. Voyons voir si notre ami. Ah, bah attendez, j'ai pas fini. Il va. Oh, mais non, j'ai même pas fini du tout, en fait. Ah non, c'est bon. Parce qu'en fait, il faut penser au toucher spectral quand on attaque au corps à corps. Mais pour l'instant, personne ne l'a attaqué au corps à corps. Donc voilà. Oui, c'est ça, lance enflammée. Donc, il faut faire un jet de défense supérieur ou égal à 12, sinon on se prend 2 points de dégâts. 2 points de dégâts, ignorant la réduction de dégâts, bien évidemment. Alors, pour lui, je fais 19. 19, c'est bon. Et pour le. Moi, je vais arrêter ce jeu. Je fais 3. Je vais arrêter. Donc, allez, le guérisseur se prend 2 points de dégâts. 1, 2. Voilà. Et voyons voir si notre ami génère une nouvelle âme. 2, il génère une nouvelle âme. C'est de mieux en mieux cette histoire. Alors je cherche l'âme errante qui reste. Voilà, 2. Voilà, donc elle a 4 points de vie. Donc ça lui coûte quand même du point de vie cette histoire. Ça lui coûte
Mince, 3 points de vie, donc il tombe à 4. Putain, il faut que j'arrive à le tuer là maintenant. Donc, qu'est-ce que vous feriez, vous? Je soigne, je remets à la vue le chevalier là-bas pour continuer à attaquer, ou je prie sur encore un coup critique de l'aventurier. Putain, c'est chaud patate, quoi. Parce que si je soigne, je fais encore mes sorts de soins. Bon, allez, je le tente. 20! Non, mais sans déconner! Putain, c'est juste énorme, quoi. Alors, sur ce coup-là, pardon, le dé est ici. Le dé est roulé derrière la caméra. Il faudrait une piste de dé. J'ai vu qu'ils faisaient une super piste de dé chez Paria, aux couleurs de l'ordre de Veilleul. Ce qui est bien. Donc, je verrai, parce que là, je lance ces dés. Problème des dés, bon, j'ai fait 20 problèmes des dés, c'est des fois quand je les lance, ils tombent dans les cases des trucs là. Il était comme un gland. Bon alors du coup, un autre petit vin, hein, ça compense, un poil. Mais bon. Du coup, 4 et 4, ça fait 8. Il reste 4 points de vie, moins 2. Non, 8, moins 2, 6. Nous sommes venus à bout, non sans difficulté, de l'âme du chasseur calciné. Eh ben, ça a été laborieux. Hop là. Donc, vous retournez dans le tas des bestioles. Donc, le royaume des morts, que m'offre-t-il? Tiens, pourquoi est-ce qu'il monte une carte ici? Qu'est-ce que j'ai fabriqué, moi? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? J'ai une salle là, j'ai une salle là. Qu'est-ce que je sais? Pourquoi j'ai pas de salle ici? Bien. Pourtant, je suis bien arrivé en bas du donjon. Ben, je ne sais pas. Un petit coup de pause. Là, je reprends après dès que j'ai compris pourquoi est-ce qu'il manque une pièce ici. Je reviens vous voir. Elle était collée sous la carte du chasseur calciné, ma salle piégée. Elle était là, mais elle était collée dessous. Bref, alors donc j'ai gagné du coup le royaume des morts. Et donc pour tout butin, je récupère 6 cartes de forgeron et 10, et 10 cristaux avec le royaume des morts. Donc 6 cartes de forgeron et 10 cristaux. Donc je reprends mes 10 cristaux. 3, 3, 6 et 4, 10 que je mets ici. Et 4, non, c'est combien? 6 cartes de forgeron, et surtout, je gagne ça comme étant un objet. Donc je vais le mettre sur le chevalier. Donc, ma petite tribu retourne là-haut. 6 points de vie, 6 points d'endurance, 7 points de vie, 6 points d'endurance, 4 points de vie, 8 points d'endurance. Le royaume des morts est remplacé par maintenant un monstre puissant. Ici, voilà. Ces cartes événements n'ont pas été tirées. Bon, j'ai eu du bol. Mais enfin, sur ce run-là, hein, j'ai fait beaucoup de vin, j'ai tiré aucune carte événement. C'est bien. J'appréhende pour la suite. Allez, ces cartes événements, du coup, n'ont pas servi. Je les remets bah, au fond. Hein. Peu importe, et je vais en tirer trois nouvelles. Que j'ai déjà tirées, en fait, elles sont là. Ah non, elles sont pas là. Non, elles sont pas là, pardon. Donc je rajoute trois nouvelles cartes du donjon. Le donjon s'agrandit. Encore un petit coup, voilà, et je tire trois cartes événements. Une, deux, trois, une, deux, trois, que je mets là. Je vais régénérer un donjon. Hop, 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 hop. Hop, 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 et hop, voilà. Voilà. On régénère un donjon. Tac, voilà. Donc du coup, je n'ai pas tiré mes cartes forgeron. Alors, donc je gagne, j'ai dit combien? 6 cartes. Ouais, c'est ça, 6 cartes du forgeron. Alors c'est parti, on va taper dans les grosses cartes du forgeron cette fois-ci. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. Voyons ce qu'on gagne. Je vais les mettre là devant. J'ai gagné
Une arme à deux mains basée sur la force. Oui, mais ça ne m'intéresse pas. Donc ça va aller à la vente. Le sceau de l'esprit inflige c'est fois 8, intelligence 5. Ah, 6 points de dégâts, c'est toujours mieux que ça. Donc ça, toi, tu vas pouvoir le porter, que le sceau du corps. Ensuite, le tome de Veillel. 8 points de dégâts à distance, mais il faut 11 intelligence. J'ai 5, je propose de porter. Bouclier de fer, ça c'est intéressant. 7 de force, 5 de dextérité. Je le remplace par le bouclier renforcé. Ce qui fait que j'arrive à 3 directions de dégâts et plus 2. Voilà, 3. Enfin, talisman d'ivoire, x 9, intelligence 5, non. Et une dague sacrificielle de jade, non. Donc déjà, j'ai tout ça à vendre, en plus de tous mes jetons qui sont ici. Allez, maintenant, on va tirer 5 cartes chez le forgeron, parce que ça, c'était des cartes de récompense. Maintenant, je vais tirer des cartes d'équipement chez les forgerons. Alors. Ah bah tiens, évidemment. J'ai acheté la masse du miel pour pas grand-chose. Une rune de force, qui est très bien. Je vais la mettre tout de suite, la rune. Non, je vais... Ah non, ça s'achète, ça. Pardon. Bon, pour 3, j'achète la rune de force. Que je mets ici, au guerrier. Donc ça lui fait plus 2 de force. Il arrive donc à 9 de force. Je vais donc l'équiper d'une armure en fer. 6 de force, 5 de dextérité. Ça, c'est bon, on peut la porter. Donc ça vient là. Ça va dans le sac sans fond. Direction dégâts de 2, armure de 3. Donc je prends un petit jeton 3 que je mets ici. Voilà. Le bâton du mage, je ne vais pas l'acheter. Parce que, ben voilà, j'ai pas de mage. L'arc long, ça je vais l'acheter. Ah, ça coûte 2, 2 cristaux. 1, 2. Là, l'arc court dans mon sac sans fond. L'arc long ici. Et enfin, putain. La cloche géante de la Vierge, 8 points de dégâts, x 11, force de 4, ça c'est bon. Une arme à distance et à deux mains par contre. Alors, ouais, je vais l'acheter. Je vais l'acheter parce que je vais l'acheter, tout simplement. Donc ça me coûte 3, 3 cristaux. 1, 2, 3, et voilà, les emplettes sont terminées. Maintenant, il me reste quoi? Il me reste donc déjà tout ça là en carte que je peux vendre pour un cristal. Mais je vais déjà épuiser tout ce que j'ai là. Donc, le guérisseur. Attendez, le chevalier. Le chevalier déjà va passer. Si je monte niveau 5, niveau 2. Alors, il va passer niveau 3. Pardon, niveau 3, ça me coûte 2 cristaux. Niveau 3, ça me coûte 2 cristaux. Là. Passe niveau 4, ça me coûte 4 cristaux. Et je le passe niveau 5, ça me coûte. Non, 3 cristaux niveau 3, donc j'ai claqué un cristal de trop. Je suis niveau 4 pour niveau 5, ça me coûte 4 cristaux. Donc ça me coûte 4 cristaux qui sont là. Et je vends une carte au forgeron, ça me fait mes 4 cristaux dont j'ai besoin pour passer niveau 5. Voilà. Et donc étant niveau 5. Bon, j'ai pas trouvé l'armure en fer sombre, ni le pavois, mais bon, on va faire avec. Hein. Et je vais donc, j'étais donc niveau 2, donc j'ai passé niveau 3, niveau 4, niveau 5, je gagne 3 points de compétence que je mets en vitalité. Hein, j'arrive à 9, voilà, et 6, donc je peux utiliser maintenant ça et ça. Ensuite, à toi. Toi, tu... Alors, attendez, déjà lui, là, on va cliquer 4 cartes. Pour le faire passer niveau 4 cartes pour le faire passer niveau 5. Voilà, donc mes cartes sont là. Tac. Hop, je mets dans la défausse. Donc je suis niveau 5 avec mon guérisseur maintenant. Voilà, donc je vais lui faire prendre un petit point de vitalité. Hein, parce que ça ne mange pas de pain.
d'être ni 5 en vitalité pour affronter tout ce bazar. Ok, et enfin on finit avec l'aventurier. Donc il faut 3 cristaux pour passer niveau 4 et 4 de plus pour passer niveau 5. Donc il faut, j'ai 7 cristaux. J'ai combien de cartes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Allez, comme ça, tac. J'ai plus tout d'équipement dans mon sac sans fond. J'ai acheté rien, je n'ai rien acheté chez l'alchimiste. Hein. Ça va me coûter la partie encore une fois. Parce que je me suis fait avoir comme ça la dernière fois et je recommence. Et donc, j'arrive au 5, donc je gagne 2 points de compétence que je vais mettre, en endurance. Donc, j'arrive à 2 plus 2 en endurance pour être 8 en endurance grâce au niveau. Pour pouvoir utiliser au moins 2 fois cette attaque qui fait 3 fois le dé mon attaque normale. Voilà. Et on va faire une petite pause et je vous reprends juste après la petite pause. Et après cette rapide pause, bon voilà. Donc, nous avons fini nos achats, nous avons fini d'augmenter nos personnages, nous sommes tous niveau 5. Et il nous reste donc une descente à faire jusqu'à la dernière aile qui est ici, qui a été ouverte, la dernière des niveaux qui a été ouvert là. Donc un run et encore un autre. Pour se stuffer comme des gros cochons. Allez, c'est parti. Allez, cette fois-ci, on va changer d'aile. On passe ici. Un coffre. Donc le coffre, je tire 2 cartes chez le forgeron, vu que je suis dans les niveaux du haut. Je tire des cartes uniquement dans l'état des cartes de base. Ouais, on n'est pas beaucoup, mais bon, hein, une épée courte et une armure cloutée. Sur cette prime, ça fait toujours deux petites piécettes. Là, nous arrivons ici. Nous tirons des monstres. Sachant que nous sommes niveau 5, nous affrontons donc automatiquement 3 monstres. Avant de tirer le dé. Alors, c'est parti pour 3 monstres. On va affronter au pif 3, 3 et 3. Allez. Donc, 2 nuées de rats, qui sont des créatures à distance. Donc, on met derrière 2 nuées de rats, 2 points de vie et d'armure. Voilà. Donc, pas très méchante. Mais surtout les ayants le défenseur, elle fait comme 3 points de dégâts. Et une statue animée, qui a un gros défenseur. 8, 6 points de vie d'armure. Elle n'attaque pas fort à 3, mais elle défend fort à 8. Ici. J'ai dit ici. Voilà, à peu près. Donc du coup, toi, tu as 6 points de vie. Et vous deux, vous avez 3 points de vie. Chacun 3. Et 3. Et bien c'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est que le guérisseur va attaquer un des deux rats derrière avec sa cloche à distance. Je fais un superbe 6. Donc j'ajoute ma foi, ça, ce résultat 6. J'ai 6 et 11, 17. 17 en attaque. Eux, ils défendent à 6. Et donc là, je suis rendu au dernier rang du donjon. Ce qui me fait 5, 7, 9, 11. 11 et 6, 17. Donc ils défendent à 17. Et moi, j'ai dit que j'attaquais à 6 et 9, 15. Donc mon attaque ne passe pas. L'archer va essayer également d'attaquer un rat. Alors lui, c'est... J'adore ce jeu, mais là, ouf, ouf. Alors autant tout à l'heure c'est cool, j'ai des 20, mais là, voilà, donc non seulement l'attaque passe pas, mais en plus je joue une carte événement. Attaque, oh putain! Alors, attaque de la horde. C'est-à-dire que fait apparaître autant de monstres que de joueurs, puis peut lancer un combat ou les rajoute au combat en cours. Dans le second cas, il peut attaquer directement. Donc c'est-à-dire que je vais rajouter 3 monstres à mon combat en cours, et ces 3 monstres vont pouvoir attaquer tout de suite, tout de suite. C'est là que tu te dis, mais pourquoi n'ai-je pas acheté une grenade chez l'alchimiste? Ou plusieurs grenades? Ou pourquoi n'ai-je pas le pyromancien, par exemple? Le pyromancien qui peut attaquer et faire des dégâts de zone. Allez, enfin, allez, c'est parti. 3,
1, 2 et 3. Donc, oh punaise, on va prendre cher notre mère. Nous avons une amérante qui est une force de frappe, donc elle va au milieu. Alors, il me reste des petits socles ou pas? Donc, l'amérante, elle se met à s'intercale ici. Un assassin squelette, qui est un spécial. Spécial, ça va au fond. Il a 5 points de vie. Là, je passe à 6, moi, et tout ça. Donc, l'amérante, elle a 4 points de vie. Donc, 3 points de vie. L'assassin squelette, il a 5 points de vie. Et enfin, j'ai un zombie. Pareil, lui, les zombies se mettent devant. Il a 4 points de vie, le zombie. 4 points de vie, le zombie, il va devant. Voilà. Et il reste encore un petit. Ouais, il reste encore un dead 6. Parfait. Bon. Eh ben, va falloir être performant parce que je n'ai plus que le chevalier pour attaquer. Ah, et le chevalier, ben, il attaque le zombie, il n'a pas le choix. C'est parti. 12. 12 plus sa force. J'ai 6, c'est un 7, 8, 9, donc ça fait 21. 21, les zombies défendent à 3. C'est rigolo. Le zombie défend à 3. Plus 5, 7, 9, 11. 5, 7, 9, 11. Donc je suis à 11, donc je suis à 14 de défense. Et moi j'ai dit, c'est bon, donc mon attaque passe. Simplement, ma hache légère de mon chevalier inflige 3 gros points de dégâts. Hein. Lui, il a 4 points de vie. Donc il lui reste 1 point de vie. Allez, voilà, ça c'est parfait. Ben c'est donc maintenant tout le monde a joué. Ah, si tout le monde a joué, le guérisseur a joué, l'aventurier a joué, c'est parti. Et ben c'est parti. Alors le zombie attaque le défenseur. Je fais 6 sans manger de défense. Mais c'est pas très grave parce que il inflige que 3 points de dégâts. Moi j'ai une réduction de 2 plus 3, 5. Donc moi, mis à part faire un 1. Voilà. Sauf si je fais un 1, je calcule, sinon je m'embête même pas à calculer. La statue animée, pareil, elle attaque le chevalier. 11, c'est bon. L'amérante, pareil, attaque le chevalier. 3, c'est bon. Je ne refais pas de calcul à chaque fois, mais bon, je leur dis 3. Effectivement, il passe ma défense, mais vu que. Ah non, bah non, non, 3. Non, non, hop, 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 3. Je viens d'en parler là. L'amérante affiche 6 points de dégâts. Je n'ai que 5 de réduction de dégâts. Donc je prends un petit point de dégâts. Pardon. Ouais, j'ai bien fait de le dire parce que. Les Nuedra, elles ignorent le défenseur. Donc les Nuedra, pour être sûr, je vais envoyer le défenseur sur le guérisseur. Pour être sûr que les Nuedra, du coup, attaquent soit le chevalier, soit l'aventurier. Alors, j'ai un autre D6 qui traîne quelque part ici. Un D6, c'est pas D6? Oui, j'ai un D6, un super D6. Qui n'est pas de la boîte de Veillenne, mais je le prends. Donc, père, ça attaque le chevalier, impair, ça attaque l'aventurier. Père, ça attaque le chevalier. Donc le chevalier va se défendre à hauteur de 14. Donc c'est bon. Première nuée de rat, il n'inflige aucun dégât. Deuxième nuée de rat, elle attaque. Paire impair, toujours 2. Donc c'est toujours le chevalier qui prend. Le chevalier va défendre à hauteur de 18. C'est bon. Et enfin, l'assassin squelette. Donc alors lui par contre, lui c'est un gros méchant. Hein, parce qu'il affiche 3 points de dégâts. Il ignore le défenseur. Et il ignore la def. Oui, c'est-à-dire que effectivement, donc déjà, on va voir qui il attaque. On attaque donc pareil, paire impair, paire chevalier, impair l'aventurier. Donc on a fait 5, donc il attaque l'aventurier. Donc il ignore la défense. Donc je vais lancer le dé, puis je vais calculer après. Je fais 6. Donc lui il attaque, l'assassin squelette à 6. 6 plus. Je vais mettre un marqueur parce que je sais plus à chaque fois. 5, 7, 9, 11. Il attaque à 17. Moi je défends à 6 tout court. Donc il m'afflige 3 points de dégâts qui sont réduits de 2 par en armure. Donc je prends un seul petit point de dégâts. Et c'est parti, c'est à moi. Allez, cette fois-ci, on envoie la patate. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'aventurier va taper sur le zombie qui est devant. Parce que le zombie, si jamais c'est un quelqu'un au corps à corps qui le tape, il y a un effet qui se déclenche et c'est pas cool. Wow, l'aventurier, alors attendez, il faut que j'arrive à choper le dé là-dedans. Tac, il fait 16. Donc 16 plus sa dextérité, ça fait 10, ça fait 26. Lui, il défend à 3. Le zombie est mort. On respire un peu plus. Ensuite, le guérisseur va utiliser sa cloche pour aller frapper l'assassin squelette qui est tout derrière.
12. Plus la foi, ça fait 12 et 8. 20, 23, on attaque. Toi, tu défends à 7. Plus 5, 7, 9. 5, 7, 9, 11. Donc à 7 plus 11, ça fait 19. Moi, j'attaque à 12 plus 9, 20, plus 11, 23. Donc ça passe. Donc ça inflige 8 points de dégâts. Toi, tu as 4 points de dégâts. 5 points de vie, pardon. Tu es mort. Donc là, ça a fait. Le guérisseur a joué. C'est dans le tour du chevalier de frapper la statue de devant nous. On va dégager celle-là. Je fais 18. Et parce qu'avec la perspective, en fait, quand on est comme ça, on se dit, tiens, il a fait 4, le gars. Mais non. En fait, on a fait 18. Donc, 18. Oh, je fais un point de dégâts. J'attaque à 18 plus ma force qui est de 9. 27, toi tu défends à 8, non c'est bon, 8 plus 13, ça passe. Pas beaucoup, mais ça passe. 5, 7, 9, 11, 9, 8 plus 11, on est encore à 11, on n'est pas à 13, on est à 11. Ah, attendez, pour éviter de recalculer à chaque fois, hein, je vais mettre un petit dé là pour me dire que je suis à 11. Ce dé-là, là, hein, faut pas toucher, c'est mon dé de rappel de niveau, à combien j'en suis, 11. Donc, j'inflige 3 points de dégâts. Simplement, la réduction de 2, ça lui inflige 1 point de dégâts, donc il tombe à 5 points de vie. Tout le monde a joué. C'est donc toi. Tu récupères la défense, le chevalier là-bas. Donc, allez, là, une statue inanimée, elle attaque le guerrier qui fait 15 en défense. C'est bon. La mérante, je fais 3. Je fais 3 en défense, donc ça fait 3. La défense est à 8. Ça fait 11. Toi, tu m'attaques à 20, à 19. Donc, tu m'affiches 6 points de dégâts. J'ai une réduction de 5. Je prends un point de dégâts. Ensuite, les rats, ils ignorent le défenseur. Le défenseur va donc arriver sur le guérisseur. Voilà, comme ça. En faisant comme ça, du coup, les rats vont attaquer tout sauf le défenseur. Donc, paire impair, comme tout à l'heure. Je prends mon petit dé. Voilà, donc si je fais un pair, c'est chevalier, un pair, c'est l'aventurier. L'aventurier, qui défend, et défend à hauteur de 4, l'aventurier. J'ai fait 4 sur le G. Super. Donc, je vais me prendre 3 points de dégâts, donc 1 point de dégâts. Le deuxième rat, 3, de nouveau, l'aventurier. Cette fois-ci, je fais 16 en défense. 16 et 5, 21. Une attaque de 11 plus 8, 19. Ça passe, je ne prends pas de dégâts. Allez, on rejoue. On rejoue, on rejoue, on rejoue. Cette fois-ci. Cette fois-ci. Que faire, que faire, que faire? Le guérisseur va utiliser sa cloche de la Vierge pour taper sur la mérante qui est derrière. C'est le plus gros dégât qui est là. Faut que je le tombe rapidement. 20. Le fameux 20 qui sort. Toi, tu exploses en vol. Bam! Voilà, tu as pris un gros coup de cloche sur la tronche, tu fais moins le malin. Ensuite, ben, l'aventurier va attaquer un des deux rats qui est derrière. 12. 12 plus 10, 22. Je défends à 11 plus 5, 15, 17. Donc, ça inflige 6 points de dégâts. Le rat a 2 points de vie plus 1 d'armure. D'ailleurs, pourquoi j'ai mis 3 points de vie au rat? C'est 2 points de vie qu'ils ont les rats. Ah, peut-être que je l'avais peut-être blessé déjà. Non, bon, peu importe. En tout cas, lui, il explose. Et il me reste donc le guerrier qui fait un superbe 3 en attaque. Donc ça veut dire qu'il ne réussit pas son attaque. Et en plus, on déclenche une nouvelle carte événement. Youpou! Objet perdu. Retire un objet consommable de l'inventaire d'un joueur. Alors. Eh bien. Donc ne peut être perdu. Donc ça ne veut pas déjà être le. Être le passe-partout, tu ne veux pas être perdu, donc c'est soit la pierre de résurrection, soit le royaume des morts. Un consommable, c'est des consoles de toute façon, ça. Ah putain, pendant le combat, j'ai oublié d'inverser vitalité et endurance, le combat du royaume des morts. Oh là là, qu'est-ce que je suis un boulet. Bon, mais non, revenir en arrière, je peux pas, c'est trop tard. Consommable, pierre de résurrection, c'est un consommable aussi. Allez, alors du coup, on va lancer un dé de 6, hein. Pair, c'est là. Impair, c'est là.
Père, on perd le royaume des morts. Super. Tout ça pour rien. Allez, on continue. Tout le monde a joué, c'est donc aux adversaires de jouer. Donc le défenseur reste. Non, va là-bas. L'armure, la statue animée va attaquer le chevalier. Oh, putain. Donc je fais un échec critique en défense. Je fais un échec critique en défense, ça veut dire qu'il va m'infliger des dégâts en ignorant. Donc il affiche 4 points de dégâts en ignorant mon armure, ma réduction de dégâts. Non, je vais utiliser 2 points d'endurance. 1, 2. Voilà. Pour contrer 2 points d'endurance, pour utiliser ma capacité de bouclier. Voilà. Ça annule le fait que ce soit un critique. Et du coup, ça double ma résistance qui est ici. Donc je réduis à 2 plus 3 plus 3. Je réduis donc à 8 points de dégâts. Sachant qu'elle m'inflige 4 points de dégâts. C'est bon. Et on remet le défenseur sur le guérisseur. Hein, toujours, parce qu'on a toujours le rat qui est là qui attaque. Et c'est parti. Le rat va attaquer pair-impair, toujours. Oula, 2. Il attaque le chevalier. Et je fais un 16. En défense, qui est caché ici. Donc c'est bon. Il ne fait pas de dégâts. Et bon, continue d'attaquer. Du coup, cette fois-ci, je pense que c'est notre ami le guérisseur hein, qui va taper la statue là, devant. Je fais 12. 12 plus 11. Parce que c'est la foi qui compte. Je suis à 12 plus 11. 23 et il défend à 19, c'est bon, donc je lui inflige 8 points de dégâts. 8 points de dégâts auxquels je retranche 6, de 2, pardon, ça fait 6 points de dégâts, il aura 5 points de vie, tu exploses. Allez, on y est presque. L'aventurier contre le rat. Pas contre le tout guerrier. Oh, mon Dieu. Ah, j'ai bien mal, mais j'ai bien mal, mais j'ai bien mal. 4. 4. Alors 4 et 14 en attaque. Il défend à. Ah, genre, c'est le dé qu'il fallait pas. Tiens, c'est le dé qui me servait de compteur. Moi, bon, je reste à 11 ici. Donc 4, 14 en attaque, 17 en défense, ça passe pas. Je tiens une carte événement, la dernière. Brisure. Pu. Alors, ben, on va choisir quel personnage va assumer la brisure. Père, le chevalier, impair, l'aventurier. 2. Donc le chevalier qui subit une brisure. Donc soit son armure, soit son bouclier. Alors, fais voir. Père, bouclier. Non. Je recommence. Je vais aller. Père, armure, impair, bouclier. Voilà, c'est ça. Tout dans l'ordre, en fait. Dans l'ordre, je fais comme ça généralement. Je prends le premier, hein, je dis que ça c'est père, ça que c'est impair. De même que quand je dis père, impair, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, père, l'armure, pardon, impair, le bouclier. 6, paire, l'armure. L'armure explose en vol. Hop. Bon, dans mon malheur, hein, j'ai dans mon sac sans fond, j'ai une armure qui traîne, je pourrais la remplacer. Du coup, l'attaque passe pas. Donc il reste le guerrier, le chevalier qui va tenter de tuer ce sale rat. Allez, vas-y. Allez, mon ami, tu peux le faire, tu peux le faire. 16, tu l'as fait. Tu es un champion. 16 et 9, 25, je défends à 17, c'est bon. Les rats explosent en vol. Ben, ça a été un combat laborieux. Alors, ça, 3 monstres plus la horde. Là, alors ça, quand ça arrive sur un monstre puissant, quand c'est comme ça, typiquement la liche, qui arrive pas toute seule, qui arrive avec d'autres ennemis, donc, ou même 2 monstres puissants, vu qu'on est niveau 5, 2 monstres puissants, c'est-à-dire que tu tapes 2 monstres puissants, plus 3 monstres qui débarquent. C'est énorme. Bon, allez, on va pouvoir souffler un petit peu. Du coup, je suis rendu ici, donc je ne peux tirer que des objets de la pile des pioches pas intéressantes, ce qui n'est pas cool, mais bon, pas des objets de base. J'ai donc 6 ennemis qui sont tombés. 6 ennemis, ce qui me fait 12 cristaux. 4, 6, 8, 10, 12 cristaux que je mets ici. Ensuite. Donc 12 cristaux, ça c'est fait. Ensuite, j'ai 6 ennemis, donc je lance 6 dés noirs. Et pour chaque dé noir, sur un pair, je vais pouvoir piocher un objet. Deux objets, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, c'est parti. Donc,
Alors, je pourrais utiliser la compétence niveau 3 de notre ami l'aventurier pour relancer des ratés, mais j'ai pas forcément envie pour l'instant. Je vois ce que je récupère ici. Donc, je récupère 6 objets là-dedans. Parce que je vais avoir besoin. On arrive dans les fins fonds du donjon, ça devient compliqué. Je vais avoir besoin de son endurance, je pense, pour taper fort avec son arc. Donc, je récupère 6 cartes. Une, un bouclier rond. Deux, une rune de vitalité. Ça, c'est pas intéressant, mais tout le monde a déjà des runes plus deux, donc non. Trois, un gourdin. Ah! Le gourdin, je vais le prendre et remplacer ça par la hache légère. Parce que j'inflige un gros dégât de plus. Allez, voilà. Je suis à 3. 4, rune de vitalité. 5, rune d'endurance. 6, armure en tissu. Ah bah, ça c'est pas mal, parce que l'armure en tissu, ça va pouvoir aller. C'est pas mal. Ça va au moins pouvoir aller sur le guérisseur. 2 de force, 2 de dextérité. Ça me fait une petite réduction de 1 de dégâts et une armure de 1. Écoutez, c'est pas si c'est très intéressant, mais au moins ça peut peut-être faire la différence. Hein. D'endurance, hein, de direction de dégâts. Voilà. Mon armure ici est toujours cassée, je la dégage. Je la laisse cassée, je la mets dans un coin. Et je vais porter, donc là du coup c'est quoi? C'est l'armure de cuir, voilà, écoutez, que j'avais looté avant. Voilà, bon, c'est pas aussi plus efficace que l'armure de fer, mais bon, ça me. Du coup, je suis pas à poil, quoi. 2 et 2. Allez. Ça, c'est fait. Et bon, on continue à descendre dans le donjon. Est-ce qu'on soignerait pas quelqu'un? Fais voir. Est-ce que je soignerais pas quelqu'un? Tranquillement, soigner l'aventurier avec le. Ouais, il va falloir prendre 2 points de vie, peut-être, avec le guérisseur. Allez, le guérisseur va claquer 2 d'endurance. Un jeu de fois supérieur à 15, je fais 12. Donc c'est bon, je gagne la moitié de ma foi. Donc j'ai 11, sur un rendu supérieur, donc ça fait 5, ça fait 11. Non, 13, pardon, 13, 6 et demi, ça fait 7. Je soigne 7 points de vie. Donc l'aventurier revient ici. On descend dans le donjon, encore d'un cran. Une salle vide. Deux cristaux. Un coffre. Vu qu'on est là, on peut taper dans les objets de masse, de gros objets de masse. Une arme d'estoc. 5 points de dégâts d'assassin. Dommage. Et, oh putain, bah c'est ici. Une arme à deux mains, elle est bien ça. La brise, 7 points de dégâts, grosse arme à deux mains. Voilà. Bon. Et enfin, nous allons arriver dans la dernière salle du donjon. Qui est un monstre puissant. Alors, je dis un monstre puissant. Mais en fait, non. Il n'est pas tout seul. Parce qu'à partir du moment où j'ai un personnage qui est au moins niveau 5, c'est deux monstres puissants qui vont arriver. J'ai pas remonté mon endurance ici. Parce que j'ai soigné quand j'étais là. Je suis arrivé là, là et là. Donc j'ai fait 3. Donc je gagne 3 points d'endurance pour tout le monde. 1, 2, 3, et toi tu étais à 4, tu remontes à 6. Alors qu'est-ce qu'on va affronter comme monstre puissant? Voyons voir. Donc l'araignée, déjà on ne peut plus l'affronter. L'araignée tranquille, elle va nous foutre la paix, l'araignée. Nous allons affronter. Alors. Nous allons affronter. Je tire au pif, je tire au pif, je tire au pif. Oh non, je ne vais pas tirer au pif, regardez, je vais les mettre là. Et je vais lancer un dé. Hein, et puis on va bien voir. Donc 6, je vais lancer les étoiles 5 et 6. Hein, puis donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Donc 5, évidemment, je relance. Donc je vais affronter le 1, toi. Et en même temps, je vais affronter 5, non? Le 2. Donc c'était 1, 2, toi. Waouh! Alors, nous allons affronter le dévoreur d'âme qui frappe 2 fois, qui inflige 2 points de dégâts ou vol de l'énergie, vol de l'endurance pour récupérer 6 points de vie. Il ignore le défenseur, il frappe 2 fois. Il a 18 points de vie, sachant que je suis 3 joueurs, il n'a que donc 13 points de vie.
Et toujours un jet de base de 11. Et alors là, nous avons le dernier géant, hein, qui est une espèce de brutasse patatas, là. 5 d'attaque, 6, 9 en défense, inflige 6 points de dégâts, il frappe deux fois. Mais par contre, lui, il fait des coups critiques pour une valeur de G supérieure ou égale à 16. Hein? Donc c'est-à-dire que quand tu joues solo, lui, par contre, là, de base, j'ai 11. Hein? Donc n'importe quel jet d'attaque supérieur à... ou égal à 16, à 5, voilà. Donc si je fais 5 sur un jet d'attaque, lui, il m'afflige un coup critique. Donc j'ai intérêt à le tomber, mais alors rapide, rapide, rapide. Hein, parce que donc 25 points de vie moins les 5, il n'a que 20 points de vie. Et bah, ils sont tous les deux au même niveau. Donc je les mets au même niveau de confrontation. 20 points de vie. Ok. Bon, et bah, c'est parti. Alors, mes petits cocos. C'est le dernier géant qui me fait peur. Hein. Donc, dernier géant, donc je vais utiliser 4 points d'endurance avec l'aventurier. 1, 2, 3, 4. Pour tirer. Où sont mes dés de 20? J'ai plus lancé les dés de 20. Il y en a deux là. Putain, ils sont là. Donc je vais lancer un. Donc j'inflige. Une première attaque normale, j'inflige 3 fois les dégâts de mon arme. Un coup critique de l'aventurier ou un échec critique de la cible sur la compétence n'oublie pas les dégâts. Voilà, donc je peux infliger 18 points de dégâts d'un coup si ça passe. Allez. Donc toi, tu as combien de défense? Tu as 20 en défense. Hein? Oui, c'est ça. 11 plus 9, ça fait 20. Et moi, j'attaque déjà à 10. 18. Donc c'est 28 en attaque. Contre, j'ai dit, 28 en attaque contre 20 en défense. Ça passe. Donc je lui inflige 3 fois les dégâts de mon arme. 3 fois 6, 18. Ah putain, j'ai quand j'aurais pu one-shot celui-là, quoi. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est un peu con ça, Pierre. T'aurais dû réfléchir avant. Donc j'ai dit que ça lui faisait 18 points de dégâts. Sachant qu'il a 20 points de vie et il a 2 de réduction de dégâts. Donc 18 moins 2, ça fait 16. Il tombe à 4 points de vie. Voilà. Ensuite, on va donner tout ce qu'on a. Hein. Le chevalier. J'aurais dû commencer par le chevalier. 5 points de dégâts. 4 points de dégâts, je lui ai dit, je lui affiche. Je lui ai fait autant de dégâts que sa def. Donc 5. Ah non, je vais pas le tuer, merde. Ah si, sa réduction et sa défense sont diminuées de 3. Donc c'est très très bien ça. Et alors, donc lui, par contre, lui, j'affiche 8 points de vie. Non, j'ai plutôt attaqué avec le magicien, avec le guérisseur. Guérisseur, j'ai 11, donc il faut que je fasse supérieur à. Donc toujours à 20. Donc il faut que je fasse au moins 9 sur mon G. Regardez ce que je fais. Regardez le petit 8 qui est là. 8. 8. 8 et 11. Ah non! Je m'en sens pas si mal. 8 et 11, 19. Ah ben non! Eh ben non, non, c'est la merde. C'est la grosse merde. Parce que ça fait 19. Et toi, tu défends à 9 et 11, 20. Donc ça fait 20. Non, 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 ça, non, il n'y a pas de, y a pas de blague. Bon, et ben, le chevalier va attaquer. Et il va utiliser. Ça me coûte 3 d'endurance, mais je vais faire ça. Donc je suis à 6, je tombe à 3. 3 d'endurance. Au prix d'un jet de force dextérité supérieur à 22, le chevalier inflige autant de dégâts que sa défense. Donc je vais afficher 5 points de dégâts. En espérant que ça tue le. Ben non, je peux pas parce qu'il y a la réduction de dégâts de 2. Donc dans tous les cas, il ne sera pas mort. Donc ben, je vais cibler le dévoreur d'âme alors avec. Je vais faire ça. Alors, donc je fais 22 ou plus. Donc je fais 19, c'est bon. 19 plus ma dextérité, ma force. Donc j'ai 12, 13, 14, 15, 16. Plus ça, c'est bon. Donc j'inflige déjà 5 points de dégâts à lui. Donc moins sa réduction de dégâts, qui est donc de. Ah non, ma défense! Ah, j'affiche ma défense. Ah ben non, non, du coup j'attaque lui.
Pardon, j'attaque le géant, c'est pas. J'ai mal lu. Je pensais que c'était la réduction de dégâts, j'affichais comme point de dégâts. Non, j'affiche de la défense. Donc 5 et de 7. 5 et de 7, ça passe, donc ça passe. Mon 19 passe toujours. Hein. 5 et de 7. 4 et de 6, nos deux réductions de dégâts, plus 4 points de vie. Lui, hop, il meurt. Ça sent pas trop mal. Il me reste donc le dévoreur d'âme. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà. Le dévoreur d'âme, donc lui, il frappe deux fois et il ignore le défenseur. Donc déjà, on va voir qui l'attaque. Alors lui, du coup, en solo, je l'aime pas parce qu'il me fait lancer une tétrachie de dés, quoi. Parce que pour savoir déjà qui l'attaque et après pour savoir quelle attaque il fait. Après, il a son plein potentiel de points de vie. Donc en tant que maître de donjon, je ne le ferai pas utiliser son vol de points de vie. Donc il va forcément faire de l'attaque. Alors, il attaque deux fois. Donc, je vais lancer un dé de 6 pour savoir qui l'attaque. Toujours paire impair, paire le chevalier impair, l'aventurier. 1. Il attaque l'aventurier, il lui inflige. Non, il fait une attaque. Donc, à 11 et 6, 17. Et moi, je défends à 10 plus 5, 15. Je prends 3 points de dégâts, sachant que je réduis. Grâce à mon armure, je réduis à 2. Donc, je prends un seul point de dégâts. Tac. Et je rattaque une deuxième fois. Donc, paire impair. Je réattaque l'aventurier. Et bah, ça fait pareil qu'avant. Il se défend encore moins bien qu'avant l'aventurier. Donc, il reprend un point de dégâts. Voilà. Et c'est donc au joueur de jouer. Allez. Cette fois-ci, l'aventurier remet un petit coup de flèche surpuissant. Pour 4-5. Tac. Fond les ballons. Vas-y, Coco. Fais-toi plaisir. Donc, au prix d'un jet d'attaque normale. 6. Donc lui défend à. Sa défense est de 6. Je défends à 17. Et moi, putain, j'en ai marre. J'en ai marre. Donc 6, on est d'accord. Hein? 6. 6 et 10, ça fait 16. Voilà, donc l'attaque ne passe pas. Putain, j'aurais pu le one shot, ça passe pas. Bon. Eh ben, qu'à cela ne tienne, on y va. On enchaîne. Hein? Allez, le mage, le guérisseur. Guérisseur, il fait 12. 12 plus sa foi qui est de 11, ça fait 23. 23, ça c'est supérieur à la défense de 17. Donc j'inflige 8 points de dégâts. Donc j'inflige 6 points de dégâts. Parce qu'il y a une réduction de 2. Donc 6 points de dégâts moins 13, il reste 7 points de dégâts. Voilà. Donc du coup, pour 7, je vais le tenter comme ça. Je vais utiliser une nouvelle fois la compétence du chevalier pour tenter de lui infliger 7 points de dégâts. Donc il faut que je fasse supérieur à 22. Donc je fais encore 19. Pas encore, je fais 19. 19 plus voilà, 20, 21, et plus 12, on est à 33. Donc c'est bon. Donc je vais infliger à lui 7 points de dégâts. Sauf que ça ne le tue pas parce qu'il a une réduction de dégâts de 2. Donc il tombe à 5, à 2 points de vie. Où est le 2? Où est le 2? 1, 2 points de vie, 2. Ok. Et bien on recommence. Donc là, en tant que maître du donjon, hein, quand ton monstre est à ce niveau-là, ben, tu vas chercher à le soigner. Donc, je pars du principe que je vais forcément utiliser à ce niveau-là son vol de vie. Donc, il va voler 2 d'endurance pour récupérer 6 points de vie. Sauf que il ne va pas faire ça. Parce que lui n'a plus d'endurance. Lui n'a plus d'endurance. Lui, il a bien 8 d'endurance, mais le monstre ignore le défenseur. Il ignore le défenseur. Donc du coup, bah, il va devoir forcément frapper le monstre. Donc je vais déterminer qui il frappe. Paire impair, toujours. Encore une fois, c'est l'aventurier. L'aventurier fait 1 en défense. Hein. Voilà, un petit 1 en défense. Donc du coup, lui va infliger le double de dégâts. Non, il ignore, c'est pas le double, pardon, il ignore la réduction de dégâts. Donc j'inflige 3 points de dégâts directement sur l'aventurier. Donc l'aventurier tombe à 2. 1, 2, 3. De nouveau, lui va choisir qui attaquer. Paire impair. Paire, il attaque le chevalier. Oh putain. Décidément, l'aventurier prend tout dans la tronche. Hein. Donc, impair. Donc voilà. Donc je relance un dé. Donc j'ai qu'il lui restait combien? Un point de vie, c'est ça. Hein. 2 points de vie. Non, hein. Attendez, il était à. Je lui ai infligé 7, il était à 5. Un point de vie, c'est ça. Du coup, je dis qu'il a lui attaqué l'aventurier. L'aventurier se défend à hauteur de 14.
14 plus 5, ça fait 19. Lui, il attaque à hauteur de 11 plus 6, 17. Ça passe. L'aventurier se défend comme il faut. Allez, maintenant on le tombe. Tout le monde tape. Donc le guérisseur va taper avec sa cloche. Un grand coup de cloche dans la gueule. 2. Change, je n'ai plus de carte événement. Hein. Toutes les cartes événements ont été jouées. Donc ça fait, on va quand même voir, 2 plus la foi. Ça fait 2, 10, ça fait 13. Il défend à 17, ça ne passe pas. L'aventurier avec son arc. Putain, 2. Non mais c'est une blague, c'est une putain de blague. 2. Alors 2 plus 10, 12, mais non. Hein. Allez, à toi le chevalier là-bas, à toi avec ton gourdin là. Ton arme ultime qui est le gourdin. Allez mon ami, vas-y, tu vas lancer le dé, on va voir un peu ce que tu vas me faire. Fais pas un 2, parce que je vais m'agacer. 19, parfait. Donc, le dévoreur d'âme se prend un gros coup de gourdin derrière la tête et meurt. Donc je récupère donc, vu que les deux monstres sont morts, je récupère donc 12. Cristaux, 6 par monstre puissant. 6. Là j'ai 6, 6 et 4, 10 et 2, 12 que je mets dans la besace à cristaux. Et je vais lancer 4 dés par monstre puissant pour savoir combien d'objets je vais récupérer. Alors 4 dés. J'ai plus d'endurance hein, sur mon aventurier, donc je ne peux plus utiliser cette capacité qui permet de relancer les dés. Donc. 2, 4, 6. Donc je vais tirer 6 objets. Et vu que je suis arrivé au fond, je peux les tirer de la grosse pile. Donc 6 objets pour le premier. Et pour le deuxième, je vais tirer 6. C'est de là. 6, 8, 10 objets. Allez, je vais tirer 10 objets de la pile d'objets gold ou argent. 10, c'est parti. 1. C'est bien. 2. 3. Ouais. 4. Oui. 5. 6. 7, 9, 10. Allez, on n'est pas trop mal. On va pouvoir faire un petit tour. Du coup, eux, ils sont morts, je les mets dans la défausse des monstres puissants. Et on est parti pour le dernier run. Donc je fais un peu de place ici. Voilà. Tout ça dégage. Hop. Allez, on revient là, on va régénérer un donjon avant d'aller affronter le boss. Donc, je prends hop, une carte de chaque truc. Ceci est le dernier run, et du coup, je serai à 13 par défaut de dés pour les monstres. Allez, c'est parti. Là. Ok, donc tout le monde récupère ses points de vie, tout le monde récupère ses points d'endurance. Ok, donc là tu remontes à 8, 8 et 7. Et toi tu remontes à 9 et 6. Ok, alors. Déjà, on va voir ce qu'on peut faire avec tous ces objets-là que nous avons achetés. Donc, mes objets, ils sont là. Donc, rune de foi, peut-être. On va voir ce que je peux en faire. Le pavois, c'est sûr, je vais le mettre au chevalier. Donc je vais retirer le bouquet de fer que je vais garder dans un coin parce que si jamais je prends une brisure encore dans la tête, ça peut m'aider. Donc lui, il réduit de 4 les dégâts subis. Donc où sont la poche des 4? Là derrière. Okay. L'armure de sombre fer que je mets à la place de l'armure de cuir clouté que je garde aussi dans un coin au cas où. Voilà. Ah bah ben non, attendez. Parce que j'ai aussi une armure là-bas à réparer. Donc ce que je vais faire tout de suite, je vais pour 3, je vais réparer l'armure en fer. 1, 2, 3. Voilà. Hop, donc je porte quand même une armure de sombre fer. Donc il me fait une défense de 4. Voilà, donc là je suis au taquet de ce que je peux faire en défense. Voilà, une fois non. Rune de dextérité majeure, ben non, parce que voilà.
Le cri d'orcal, non. Le faucon, non. La hache de guerre, c'est une arme à une main qui inflige 6 points de dégâts. Ouais, c'est bien ça. Donc force 8, je peux la porter avec lui. Dextérité de 5, je peux la porter. Donc du coup, au revoir le gourdin. Bienvenue la hache de guerre. Donc encore un fauchon et l'éventail du tigre. Ah! Ah, ça vaut le coup de réfléchir. J'ai l'épée longue de Kushiros. C'est basé sur la dexte. Le problème, c'est ça. C'est que ça inflige effectivement 6 points de dégâts. Ah, bah non, c'est aucun intérêt. Parce que si 6 points de dégâts à une main ou 8 à deux mains. Mais bon, moi, je suis à une main ici. Et ma hache inflige 6 points de dégâts. Donc ça, je le mets là. Aucun intérêt pour l'instant, pour lui. Voilà pour tous les objets. Ensuite, nous revenons. Donc, le forgeron a créé des choses. Donc, il a créé 5 objets. Bâton du mage, rune d'intelligence, talisman d'ivoire, les stocks, l'armure de fer. J'en veux aucune. Aucun de tout ça ne m'intéresse. Je vais le payer. Je vais le payer 3 cristaux pour déclencher un nouvel arrivage. Allez, ça envoie quelque chose de sympa. Bouclier en fer. Je te cache pas que je cherche un arc hein, pour le. Non. Allez, 3 cristaux encore. Après, j'ai tout ça à vendre là-dedans. Hein. J'ai encore des cristaux qui attendent. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Ça n'intéresse pas. La grande vache, c'est vachement bien. Ça inflige 10 points de dégâts. C'est énorme. Simplement, voilà. C'est un peu pour le barbare, quoi. Ça non, le bâton d'Ius, c'est basé sur l'intelligence. Malheureusement, personne n'a cette intelligence. Et ça c'est basé sur l'intelligence. Allez, pour 3, je redemande un nouvel arrivage. Un blanc sombre fer, oui. Ah, ben le voilà. Ok. Donc je vais acheter pour 4 l'arc long composite. 8 points de dégâts que je mets là. Il faut 10 de dextérité, c'est bon. 5 de force, c'est bon. Voilà, ben c'est tout ça, je n'en veux pas. Donc il me reste combien? Tout le monde est niveau 5, donc déjà, ben, là, ça règle le souci. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gemmes, 10 cristaux plus tout ça, potentiellement. Donc je vais pouvoir acheter des objets chez le. L'alchimiste. Alors, pour 10. Pour 10, pour 10. Déjà, je vais acheter 2 pierres de résurrection majeure. Voilà, qui m'aide sans perdre mon tour de faire revenir quelqu'un à la vie. Donc, toi, tu vas la porter. Et toi, tu vas la porter. Voilà, donc chacun des personnages a déjà une pierre de résurrection. Donc, pas majeure pour le guérisseur, mais bon, hein, il peut, avec son pouvoir, il peut rendre à la vie quelqu'un. Et il a une pierre de résurrection. Donc, là, en termes de résurrection, je suis bien. Ensuite, j'ai combien de cartes à vendre ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Attends, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai 17 cartes que je vends tout de suite au forgeron. Donc, je me suis gardé ici. Un bouclier en fer, une armure en fer et une armure à cuir clouté pour remplacer au cas où ça, ça et ça, s'il y a besoin. J'ai pas d'argent tissu, mais bon. Oh, téléphone, je reviens. Donc je vais pouvoir acheter pour. J'ai 17, c'est ça? Pour 17 des objets chez l'alchimiste encore. Alors qu'est-ce qu'on a de cher et d'efficace? Champ de vitalité, potion majeure endurance, c'est bien. Résurrection, nuit du repos. J'ai le plan, c'est quoi ça? Pour 5, je vais acheter ça, pour 5. Que le plan vers l'entrée secrète. C'est-à-dire que pour 5, je peux choisir de passer outre une salle, quelle qu'elle soit.
C'est très bien. Donc 17 moins 5, ça fait 12, il en reste 12. Et il ne me reste plus qu'un seul emplacement d'objet, qui est ici. Donc, eh ben, qu'est-ce que je vais te prendre à toi? Je vais te prendre une grosse bombe, là. Je crois qu'il y a des grosses bombes. Fragmentation, fragmentation, chimique, fragmentation. 5 à 3 adversaires adjacents et chimique, 3 à tous les adversaires. Je vais te faire porter une potion. Ouais, après, j'ai plus l'endurance. Allez, tu vas porter une potion d'endurance majeure. Et voilà. Donc, qui coûte 3. Alors, peu importe, parce que de toute façon, à partir de maintenant, j'ai plus besoin des cristaux parce que je ne reviendrai plus. Haut. Allez, bah, c'est parti. Dernier run avant le boss. Après, je suis équipé comme un cochon, hein. Donc je crois que pour atteindre le boss, il faut que j'arrive en bas. Je ne peux pas dire, ah, je vais atteindre le boss là. Ah, tiens, d'ailleurs, le défenseur va arriver ici. Voilà. Oui, je crois que c'est ça les combats. Donc, c'est parti. Allez. Allez, on va de ce côté-là. Allez, de ce côté-là. On change. Coffre. Donc, je tire deux cartes ici. Dans le tas du bar. Une rune d'endurance et une dague. Super. Allez, hop, ça. Hop. Dans la besace. Ensuite, là. Monstre puissant. Donc, je vais utiliser mon plan vers l'entrée secrète. Une fois par aller-retour, pour la péter dans une salle, les joueurs peuvent décider de la résoudre et passer directement à la salle suivante. Utilisation illimitée ne peut être perdue. Par contre, c'est une fois par aller-retour. Du coup, ben, je décide de ne pas faire les monstres puissants qui est ici, de continuer à descendre dans le donjon. Ah, attendez, je ne vais pas tirer trois cartes événements. Une, deux, trois cartes événements que je mets ici. Allez, donc j'arrive là. Salle vide. Les joueurs trouvent deux cristaux. Moi, c'est pas grave, je les prends pas. Hein, parce que là, c'est la fin du run, j'en ai pas besoin. Ici, coffre unique. Ah, ben, c'est plus intéressant. Coffre unique. Ouvrir le coffre unique coûte 6 cristaux, mais grâce à mon passeport, ce n'est pas le cas. Piocher 5 cartes de chez le forgeron. Donc, je vais piocher 5 cartes du gros tas qui est ici. Alors, voyons voir. Voyons voir. Donc, là, ça c'est là, ça c'est mes cartes événements, elles sont là. Donc 5 cartes ici. Un katana. Une de vitalité. Grande hache. Hache de guerre. Éventail. Oui, bah je vois, franchement, ce qui m'aurait intéressé, ça aurait été l'épée enflammée, peut-être, pour le guerrier. Mais bon, là, vu que bah, je ne l'ai pas, je peux pas. Oui, je peux pas. Ben voilà. Donc du coup, hop, dernière règle du donjon. Énigme. Enfin, la fin de l'énigme. Deux joueurs payent de l'endurance, puis font un jet d'intelligence cumulé à 40. Ils essuient la porte reste bloquée. Ils doivent changer d'aile. Les joueurs trouvent 3 cristaux. Donc vu que c'est en bas, de toute façon, ben, effectivement, je dois quand même payer 2 d'endurance. Putain, pour un jet d'intelligence, mais alors qui? Bah ça va être. Non, toi j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi aussi. Bah ça va être lui, hein. Au pire, c'est là. 1, 2. Et ça va être toi, 1, 2. Donc je lance 2 dés, il faut que je fasse 40 cumulés. Donc je fais 11 et 17. 27, 28. 28, attention, hein. 28 et 3. 11 et 17. 28. 28 et 3, 31, 31 et 5, 36. Donc je ne passe pas. Donc l'énigme n'est pas résolue. Donc du coup, je suis obligé de changer d'aile. Comme je suis en bas du donjon, peu importe, hein, j'arrive chez le boss. Allez, on est chez le boss. Donc par carte événement pour le boss. Voilà, donc déjà le dernier run en fait. Relativement simple, hein. Grâce à ma carte qui m'a permis d'éviter les monstres puissants, je suis très vite arrivé en bas. Coup de chance. Et on va affronter de nouveau notre ami, l'âme du chasseur calciné. Simplement, cette fois-ci, il a 100 points de vie, moins, je ne dis pas de bêtises, moins 20, parce que nous sommes 3 joueurs, donc il commence à
80 points de vie. Allez, 80 points de vie. Je mets mes petits marqueurs de points de vie. 80. Je prends mon petit dé. Là, mes deux petits dés pour les âmes. Donc, ben c'est parti pour affronter notre ami. L'âme, je sors calciné. Est-ce que je ne me mettrais pas dans ce sens-là? Tiens, oh, j'ai perdu mes petits jetons. Parce que j'ai plus besoin de ça maintenant. Donc, j'ai dit qu'il avait 80 points de vie. Ça, il perd 20 points de vie. C'est ça. Allez, c'est parti. Ben, on est parti. On attaque comme des gros bourrins. Hein. Allez, go! Toi, tu commences. Tu vas utiliser directement pour 3 d'endurance, le brise-garde. Voilà. Vous prenez un jet de force plus dextérité supérieur à 22. J'inflige autant de dégâts que ma défense. Donc 9. Il faut que je fasse 22. 19. 19. Dextérité plus force, on est large. Donc j'inflige 9 points de dégâts. Donc 9 points de dégâts moins 2, ça fait 7. Donc de 80, il tombe à 73. Mais surtout, pendant 2 tours, donc je ne pourrais plus le faire, hein, parce que j'ai claqué ça, et j'ai même plus assez d'endurance pour claquer mon coup de bouclier. Et qui a une potion d'endurance? Voilà. En combat, seul le porteur peut boire la potion. Donc il n'y a que le guérisseur qui a une potion d'endurance. Ah, je suis quand même. Ah non! Je suis quand même descendu. D'un niveau. Ah non, non, j'ai pas besoin d'endurance. Non, non, c'est j'ai rien dit. Du coup, tac, donc je lui inflige pendant 2 tours. Il a moins 3 ses attaques et sa défense. Alors là, d'ailleurs, des petits marqueurs qui traînent quelque part. 2, moins 3. Ils sont où les cocos? Là. Pendant 2 tours. À partir de maintenant. Du coup, lui va utiliser son attaque pour 4. Pour infliger 3 fois. 8 points de dégâts. Là, la caméra fait se casser la margoulette. Donc il faut que je fasse un jet d'attaque normal. Donc lui, il défend à hauteur de. Là, je suis à 13. Voilà, 13, à hauteur de 13 par défaut. Et 28. Non, 13 et 8. 21. Je lance là parce que. 11. 11 et 10 de dextérité, ce qui fait 21. 21 contre 21 de défense, on relance. Égalité. 14. Ah, et 14. Il est où? Voilà, 14. Donc 14. 14 plus 10, 24. 24, ça passe à défense. De toute façon, ça. Ah ben non, ça passait avant. Mince, je ne peux pas me relancer, en fait. Parce qu'il avait moins 3 en défense. Donc du coup. Moins 3 de réduction de dégâts, donc il passe à 0. Je lui inflige 3 fois le dégât de l'arc. 8 et 8, 16 et 8, 24. Donc je lui inflige 24 points de dégâts. Donc 24 points de dégâts, donc déjà, donc 20 points de dégâts, il passe ici. Et il reste 4 points de dégâts enlevés, il passe à 49. Voilà, ce qui est pas mal. Et enfin, le. Guérisseur va attaquer pareil. Non, pas ce dé-là, ce dé-là. Le guérisseur, il attaque à hauteur de 13. 13 plus sa foi qui est à 11, ça fait 24. Toi, tu défends à 8 et 13, 21, ça passe. Donc, tu avais quand même moins 3. Donc, moins 2, moins 3 de réduction de dégâts. Donc, il passe à 0. Donc, il prend 8 points de dégâts. 8 points de dégâts, il arrive à 41. En un run, on lui a fait perdre la moitié de sa vie. Ce qui est pas mal. C'est plutôt une bonne opération. Maintenant, je pense qu'il va être un petit peu colère, le coco. Donc, du coup, ça passe. Hop. Oui, non, je l'enlève au tour d'après. Ça fait 2 tours et 1 tour. Voilà. Tac. La fin de son prochain tour, ça disparaît. Donc, il attaque. Il va attaquer. Donc, il va attaquer le défenseur, qui est bah, le chevalier. Alors, voilà. Normal. Je défends à 3. Je défends à 3. Donc, compte même pas, hein. C'est sûr qu'il a 8, 9, il a 9 d'attaque et 13, ça fait 20, 22. Hein, moi je fais 5 et 4, 9. Hein. Voilà. Donc il m'inflige une grosse praline à 8 points de dégâts. C'est une réduction de 6, je perds donc 2 points de vie. Ensuite, on va voir s'il génère des âmes. Il n'a pas tout à fait la moitié de ses points de vie, parce qu'il est à. Il passe de 80.
Donc, du coup, il a 40 ans, il n'a pas moitié de ce point de vue, donc il n'y a pas de toucher spectral. Souffle de mort, non. C'est quand il fait un critique. Ou quand il y a un critique en défense, ce qui n'est pas le cas. Et du coup, convergence des âmes, on va voir si on génère des petites amérantes. Je génère deux amérantes. Alors, il faut que je trouve les amérantes. Attends, je te pose là. Qu'est-ce que j'ai fait des amérantes? Une, la voilà, et l'autre, elle est une amérante ici. Et l'autre amérante, il n'y en a que deux dans toute la pioche. Hein, donc, là. Un solide en passant. Très jolie carte. Ok, donc toi, tu es toujours là. Donc les deux amérantes, elles sont là. Donc elles ont toutes quatre points de vie. Et 4 points de vie. Et c'est au tour de mes aventuriers. Pardon. Donc du coup. L'aventurier va re-envoyer une grosse patate en utilisant encore une fois sa compétence pour infliger 3 fois le dégât de son arc au chasseur, à l'âme chasseur calciné. 19. 19, ben ça passe, hein. 19 et 10, ça fait 29. En défense, je suis toujours à 13. 13 et 8, 20. 21, donc je lui inflige 3 fois 8, 8 et 8, 16 et 8, 24 points de dégâts. Il a toujours son truc là, à moins 3 de réduction. Donc voilà, qui disparaîtra à la fin du tour. Mais donc je lui inflige 23, 24 points de dégâts. Donc 24, donc de 40 je passe à 20. Donc voilà, il faut que je lui inflige 4 points de dégâts. 1, 2, 3, 4. Et donc il tombe à 17. Ensuite, toi, tu peux plus attaquer. En tout cas, tu peux plus attaquer l'âme du chasseur calciné. Toi, tu peux l'attaquer. J'ai envie de dire que tu peux même le tuer si tu arrives à faire un 20. Allez, bah écoute. Allez, parce que du coup, ça fait 8 et 8, 16. Ah non, mince, ça ne le tue pas. 16 était à 17 points de vie. Merde. Allez. Un 20. Allez. 1-8. Donc je fais 8 et 11. 19 en attaque. Et en défense, 13 et 8, moins 3. Donc ça fait 18 en défense, en attaque. Ah, ça passe, dis donc. Et oui, je le fais 10, il fait 18 en défense. Et moi, j'ai fait 13 et 8, 21. Donc c'est bon. Donc je lui inflige 8 points de dégâts. Sur les 17 qui restent, 8 points de dégâts. Attendez, c'est ça? 8 points de dégâts. Oui, c'est ça, 8 points de dégâts. Donc, 8 points de dégâts. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il arrive à 9 points de vie. 9 points de vie. Ça sent très très bon. Le chevalier va attaquer, bah, du coup, l'amérante qui est devant lui. Ah, est-ce que... Ben non, 9 points de vie, attendez. J'ai oublié de lui faire perdre ses points de vie quand il a généré les deux amérantes qui étaient là. Donc il a perdu 6 points de vie en fait. Et oui, il a perdu un nombre de points égal à 6 moins le nombre de joueurs. Donc il perd 3 points de vie pour celle-là et 3 points de vie pour celle-là. Il perd 6 points de vie. Donc il arrive à 3 points de vie, l'Astico. Oui, je ne l'ai pas fait perdre, hein, mais d'accord. Hein. Putain, il faut que je regarde la vidéo, mais je crois que je ne l'ai pas fait perdre. Ok, super. Donc du coup, toi, j'ai dit que tu attaquais une amérante, la première, peu importe. Donc ça disparaît. Du coup, le chevalier va attaquer l'amérante qui est devant lui. Parce qu'il ne peut pas. Tiens, regardez ce qu'il sait qu'il vient de faire un petit 1. C'est notre ami le chevalier. Allez, c'est pas grave. Hein. Putain. Donc les amérantes commencent par attaquer le chevalier. Donc je fais 16 en défense pour le premier, c'est bon. Deuxième, je fais 15 en défense, c'est bon. Parce que de toute façon, je réduis de 6 mes points de dégâts. La seule façon de prendre des dégâts, c'est de faire 1. Du coup, nous sommes au tour 2 pour lui. Il va pouvoir utiliser sa lance enflammée dès qu'on aura fini. Donc il va attaquer le chevalier. Moi, je fais un 2 en défense. Putain, c'est pas un critique. C'est pas passé loin, la catastrophe. Hein. Donc, 2 en défense, 2 en défense, oui, bon, je ne calcule pas, j'ai 9, hein, 9 et 2, ça fait 11, il a minimum 13 là-bas.
Donc, il m'inflige 8 points de dégâts. 8 points de dégâts diminués de 6. Donc, il m'inflige 2 points de dégâts. 1, 2. Ok, il a fini de jouer. Il va utiliser maintenant sa lance enflammée. Tous les deux tours, donc c'est le cas. Il dégage un souffle mortel. Je dois faire un jet de def supérieur à 12, sinon je prends 2 points de dégâts. Alors, le chevalier, c'est bon, 16. L'aventurier, 19. Le guérisseur, 7. Je prends 2 points de dégâts sur le guérisseur. Il ne peut pas générer de nouvelles âmes, donc c'est aux aventuriers de jouer. Aux guerriers, aux héros de jouer. Allez. Petit coup de flèche pour terminer, 3 points de vie. Si ce coup de flèche passe ou si ce coup de cloche passe, c'est bon. Allez, on commence. Bah tiens, on va commencer par lui. Le guérisseur. Loulou, là, vas-y. Riffi Loulou, le trio génial. Attention. Si jamais je fais. Donc, il faut que je fasse 21, j'ai 13, j'ai 11. Il faut que je fasse plus de 10 sur mon dé. Et bah, dites donc, les gars. 12. Je fais 12 points, 12 en attaque. 12 en attaque, 23. Il défend à 13. Plus 8, 21. Je lui inflige donc 8 points de dégâts. L'âme du chasseur calciné a été vaincue. Riri, Fifi et Loulou ont réussi à tuer l'âme du chasseur calciné. Non sans mal, hein. Le début était un petit peu chaotique. On a eu quelques sueurs froides avec notamment la horde, là, quand ça s'est pointé, là, trois cartes monstres en jeu plus la horde. Ça fait 6 monstres qui arrivent, dont 3 qui attaquent directement. C'est tendu, hein. Mais bon, vous voyez, là, cette fois-ci, on a pu avoir plus d'objets. On a pu en plus s'équiper plus facilement. Et au final, même si on n'a pas les meilleures armes du jeu, ce qui est. Si, on a quasiment les meilleures armes du jeu, en fait, là. Je suis en train de regarder les inventaires. Je crois que de mémoire, l'arc. Gold, c'est le plus puissant, il n'y a que celui-là. C'est des armes uniques, hein, les armes dorées, de toute façon. Ça, il n'y en a qu'une comme ça. Il n'y a que lui, là. J'aurais pu essayer de choper l'épée enflammée. J'essaie de la trouver, voir ce qu'elle fait, l'épée enflammée. Elle est où? Claymore, c'est dans ma demain. Le pavois. Non, il y a encore pas mal. Voilà. Ouais, de toute façon. Après, ouais, c'était ça. C'était soit ça, soit le. Donc effectivement, j'aurais pu essayer d'obtenir cette arme-là, de force Isodex, d'un 7 points de dégâts, ce qui était toujours mieux que mon 6 d'ici. Voilà. Mais tu vois, j'aurais eu ça, j'aurais pas pu avoir monté plus mes personnages. Ils étaient tous au maximum de leur potentiel de destruction et de défense. Bon, excusez-moi, pardon. Mais écoutez, moi ça m'a bien plu. Une belle petite partie de l'ordre de Veilhel, le Fleur du Roi. J'espère ne pas faire de boulettes dans la partie. S'il y en a, bah écoutez, libre à vous de me le dire. Je pense pas avoir fait d'oubli de règles ni quoi que ce soit. Donc écoutez, bah, si ça vous a plu, hein, n'hésitez pas. Hein, petit pouce en l'air, si ça n'a pas plu, petit pouce en bas. N'hésitez pas à commenter, à laisser vos avis, à partager. Et puis un petit clic sur la cloche pour être notifié, un petit clic sur le bouton abonné si vous ne l'êtes pas déjà pour être au courant de ce qui va se passer. Et puis moi, ben, du coup, je vais ranger mon merdier. Voilà, regardez un petit peu le bazar. Alors, effectivement, c'est un jeu voilà, qui prend un petit peu de place sur la table. Hein, je ne vous cache pas que voilà, j'en ai pour un petit quart d'heure pour tout ranger là. Et puis voilà, et puis du coup, peut-être préparer un nouveau jeu juste après, je vais voir, ou faire une petite pause, ça peut être bien aussi. Allez, sur bonne parole, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Salut, salut!